Donc voilà, j'étais en train de terminer mon enseignement pour que beaucoup d'enfants de Dieu soient bénis. Donc, ce que j'aimerais vous dire, évitons les pièges. Bien-aimés, soyez les bienvenus, bon retour à vous. Nous sommes encore en train de terminer notre enseignement. Donc, dans le règne des esprits, l'ennemi disqualifie les gens. Et comme vous l'avez constaté, beaucoup de chrétiens se sont laissés avoir. Maintenant, dernière chose, dans le règne des esprits, il faut détruire tous les dossiers d'accusation qui ont été montés contre vous. Parce que c'est là que l'ennemi travaille. La Bible dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc vous devez comprendre que dans le règne des esprits, quand il y a un truc qui vous accuse, quand il y a un péché qui vous accuse, quand il y a une histoire qui vous accuse, quand il y a une faute non confessée qui vous accuse, alors il devient difficile que ta voix porte dans le règne des esprits. Les démons même ne te respectent même pas. Les maris de nuit même ne t'obéissent même pas. Parce qu'ils savent que dans le règne des esprits, tu es trop faible pour pouvoir leur parler. Mais le Seigneur t'accorde la grâce aujourd'hui de revenir à lui. Le Seigneur t'accorde la grâce aujourd'hui de retrouver ta position. Moi, mon but à Océan des Grâces, c'est que chaque enfant de Dieu puisse retrouver sa force. Chaque chrétien puisse retrouver sa force. Et aussi, que chaque pasteur qui est affilié à ce ministère puisse avoir quoi? Le pouvoir. Vous savez que si nous avons le pouvoir, nous n'avons pas besoin d'aller voir des fétichiers et des marabouts. Parce que ces fétichiers et des marabouts-là, ce qu'ils connaissent là, nous aussi on connaît plus que eux. C'est tout. Voilà. Et mon but, c'est de vous donner des stratégies par rapport à comment se préparer pour aller devant Dieu. Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est ce comportement? Quelle est cette vie-là que nous menons et qui font que malgré que nous sommes des enfants de Dieu, nous souffrons? Mais bien aimé, ce n'est pas normal que vous souffriez. Malheureusement, comme la Bible nous le dit, dans le règne des esprits, tous ceux qui sont prisonniers spirituels, sur terre, leur vie est dans la misère. Leur vie est dans la souffrance. Et mon but, c'est d'aller sur la base de la Bible pour enseigner de manière claire, limpide, sur les raisons pour lesquelles vous priez, mais Dieu ne vous exauce pas. Parce que ce n'est pas parce que tu pries que Dieu te bénira. Mais est-ce que ta voix porte? Tu es en train de demander à Dieu le mariage. As-tu le droit de demander à Dieu le mariage? Tu peux demander à Dieu le mariage lorsque tu es déjà disqualifié. Oui, j'étais en train de vous expliquer comment le diable trompe les enfants de Dieu. Il crée de faux amours. Il établit des conversations bizarres. Et vous passez des heures, des heures, des heures, des heures, des heures au téléphone, à flirter, à vous provoquer, à vous taquiner. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, après avoir passé trop de temps sans avoir des rapports intimes l'un avec quelqu'un, ils vont maintenant chercher quelqu'un qu'ils vont conditionner pour prendre plaisir à des conversations impudiques. Vrai ou faux? C'est comme si tu as tellement eu un homme, ou bien un homme t'a eu, ça fait tellement longtemps que toi-même, tu es disposé en fait pour des bêtises. Tu es disposé pour des conversations. Et les gens de conversation impudiques comme ça, quand certaines femmes saisissent ça, c'est comme si elles sont au paradis. Quand certains hommes saisissent ça, ça dit que tu as tellement passé de temps que tu n'as pas eu d'homme, tu as tellement passé de temps que tu n'as pas eu de femme, que toi-même tu te disposes. Et là, quand le diable te connecte à la personne, quand le diable te donne quelqu'un, ça dit que tu es aux anges. Mais tu oublies que pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de briser ta vie. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es chrétien, mais tu es obligé de te promener derrière les pasteurs pour demander des prières parce que toi-même, tu pries, Dieu n'écoute pas.
Et le problème aussi, comme Dieu sait que c'est un problème de comportement, de relation, d'attitude et de compréhension de la loi, et que tu ne changes pas, là encore, quand tous les pasteurs vont prier, il n'y a rien qui va se passer. Donc, ce que Dieu voudrait, c'est que tu te reconnectes à lui, que tu te réconcilies avec lui, que tu étudies, tu utilises les principes que je t'ai montrés pour changer de vie, afin que dans le règne des esprits, tu puisses être écouté. Parce qu'il y a des gens que le ciel n'écoute pas. Vrai ou faux? Il y a des gens que le ciel n'écoute pas. Dieu t'entend. Vous savez, écouter, c'est obéir à une personne. Je t'ai dit, vous allez voir qu'il y a des femmes qui disent, mais je t'ai dit ça, tu ne m'écoutes jamais. Il y a des hommes qui disent ça, je t'ai dit ça, mais tu ne m'écoutes pas. Vous savez que écouter, parfois, c'est prêter l'oreille à ce que la personne dit et exécuter sa demande. Mais il y a des gens que Dieu entend quand ils crient. Mais dans le ciel, personne ne les écoute. Parce que leur dossier est gâté. Elle a pris beaucoup pour que le Seigneur lui donne un mari. Mais dans le ciel, aucun ange, aucun esprit ne l'écoute parce qu'on sait que c'est une personne qui ne fait pas la volonté de Dieu. Elle est toujours dans les critiques, dans la médisance, dans le commérage, dans les histoires, dans blablabla. Son cœur est rempli d'amertume, d'histoires, des trucs qu'on ne peut même pas parler. Elle se plaint seulement, se dispute tout le temps avec ses enfants, des querelles par-ci, des querelles par-là, en mésentant, confusion, dispute. Ça dit, tu fous les troubles partout, quoi. Et quand c'est comme ça, dans le règne des esprits, tu es disqualifié. Dans le règne des esprits, tu n'as aucun pouvoir. Et les démons, sachant que tu n'as pas de pouvoir, lorsque tu commences à prier, ils viennent et ils t'agressent. Parce qu'ils savent qu'il y a une personne avec qui tu ne parles pas. Ils savent qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'es disputé. Ils savent qu'ils ont réussi à connecter une amie à toi. Toutes vos conversations tournent autour des critiques, de se plaindre, de murmurer, de juger, de condamner. Donc, ils sont tellement malins que, comme je vous l'ai dit, ils assument la continuité. Et à mesure que le péché de la personne devient une iniquité, alors dans le règne des esprits, les démons savent qu'ils ont le pouvoir. Ce qu'on appelle le droit légal. Pourquoi ? Parce qu'une porte est ouverte. Donc, pour commencer cette prière que vous attendez depuis longtemps d'ailleurs, je sais que certains d'entre vous êtes là parce que vous attendez la prière, il faut d'abord détruire le droit légal pour fermer la porte. Parce qu'avant que ta voix porte dans le règne des esprits, il faut que tu sois justifié. Dieu doit dire, ok, elle a péché, mais elle s'est confessée. Il a péché, mais il a changé. Elle cherchait mari des gens, mais elle a changé. Il faisait ça, mais il a changé. Il mentait, mais il a changé. Et à partir du moment où tu as été justifié, on ne peut plus t'accuser. Et la loi dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité à l'endroit de Dieu, le Père intercède pour nous. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est comment se réqualifier. Comment marcher avec le Seigneur Jésus? Comment être avec lui? Et quant à moi, je prends tout mon temps pour vous. Je vous l'explique détail par détail. Comme si j'étais en train de parler à mes propres enfants, comme si j'ai parlé à ma propre femme, comme si je voulais que ma femme, voilà, je lui transmets des secrets, des conseils. Ce que d'autres pasteurs feront à 1h30, en 2h, moi je prends tout mon temps, 7h. Pourquoi? Je veux que le message passe. Je ne vais pas venir prêcher un message pressé, comme si on me poursuit et puis je me bats alors que les gens n'ont rien assimilé. Moi, quand j'ai une inspiration, je donne tout complet. Si c'était quelque chose que j'ai écrit dans un livre électronique que je viens réciter, je sais que je vais m'arrêter là. Demain, je vais continuer. Et quand je vais venir demain, je vais me souvenir de là où je me suis arrêté. Mais lorsque un livre spirituel est ouvert, et que Dieu te communique quelque chose, tu vas au rythme de Dieu, mais pas à ton rythme. Et c'est d'ailleurs lui qui te donne la force, juste à ce que le message passe avant que l'esprit se retire de toi. Donc il y a plusieurs types de serviteurs de Dieu. Ceux-là qui écrivent des choses qu'ils viennent lire, mais ceux-là que Dieu leur transmet ce qu'ils doivent se prêcher. Donc mon but, c'est de vous dire, voici comment vous devez faire pour que dans le règne des esprits, vos paroles portent. Première des choses que vous devez commencer à faire, après avoir fait beaucoup d'autres choses, repentez-vous. 1. Vous vous plaignez trop. Dans le règne des esprits,
N'oubliez pas une chose. On ne doit pas se plaindre. Amen. Dis à quelqu'un, on ne doit pas se plaindre. Dans le règne des esprits, on peut expliquer certains faits. Ok? On peut expliquer certains faits. Mais laissez-moi vous donner ce secret. Dans le règne des esprits, il ne faut pas se plaindre de manière exagérée. Ça, c'est un conseil. Dans le règne des esprits, les murmures disqualifient. N'oubliez pas. Dans le règne des esprits, c'est vrai que beaucoup de chrétiens nous forcent à murmurer. Mais écoutez-moi. Les murmures dans le règne des esprits sont des péchés graves. Graves. Amen. Dans le règne des esprits, murmurer, c'est grave. Vous savez, murmurer, c'est une expression distincte et feinte à mi-voix par plusieurs personnes et manifestant un sentiment quelconque. Un murmure est une protestation, une parole, une plainte sourde. C'est-à-dire quoi ? Marquant un mécontentement individuel ou collectif. C'est-à-dire, on n'est pas content et on se retrouve pour se plaindre, pour juger, pour critiquer. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués à cause de ça. Vrai ou faux? Vous êtes bloqués à cause de ça. C'est la vérité que je vous dis. Vous vous plaignez trop. C'est la vérité. Je vais vous donner des versets bibliques. Vous vous lamentez trop. Vous vous plaignez trop. Vous vous boudez trop. Vous avez toujours quelqu'un contre qui vous boudez. Même si vous ne dites rien, vous murmurez. Et on dit un murmure est une parole qui n'est pas audible. Mais ce sont des paroles qui se débattent dans tes pensées, qui se débattent dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est tout un tas de choses qui se passent dans ton fond intérieur. Ça s'appelle murmure, bouder, se plaindre. Dans le règne des esprits, tu murmures trop, tu es disqualifié. La Bible dit quoi? Parlez dans vos cœurs, puis taisez-vous. On a des mamans qui sont là, « Oh mon fils, j'ai des problèmes, mon problème là, c'est encore là. » Bien aimé, excuse-moi du thème, ce n'est pas moi qui ai fabriqué tes problèmes. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué tes problèmes. Tu as la chance que je suis là pour t'enseigner. Je ne suis pas le responsable de tes problèmes. Cessez de faire comme si j'étais à la base de vos problèmes. Vous avez même la chance que je prends tout mon temps pour vous enseigner, alors que j'ai aussi ma vie. Vous murmurez trop. Toute personne qui murmure, qui boude, qui se plaint trop, n'a jamais d'onction. Et c'est ça votre problème. Un de toi, tu es assis dans ton coin en train de murmurer, de bouder. Un de toi, tu es assis dans ton coin en train de murmurer, de bouder contre tes collègues. Un de toi, il y a toujours quelqu'un dont tu te plains. Il y a toujours quelque chose dont tu te plains. Vous murmurez trop. Vous boudez trop, vous bavardez trop, vous vous plaignez trop. Or, tout ce que vous pensez en vous, vous criez en vous, en murmurant, en boudant et autres, ce sont des insultes, des plaintes, des idées négatives, des pensées sales à l'endroit de quelqu'un. Ça s'appelle murmurer. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible dit quoi en 1 Corinthiens verset 10? Ne tentons point le Seigneur comme tentaient quelques-uns qui périrent par les serpents.
murmurer. Vous murmurez trop, vous boudez trop. Et dites-toi, mais Seigneur, Jésus-Christ, même là, je viens, Seigneur, pourquoi depuis la dîme, c'est ça? Moi, j'ai pris, mais là, tu as venu, et là, j'ai guéri, mais moi, tu ne m'as pas venu. Comment j'ai guéri? Il est lui, il est qui par rapport à nous? Et là, j'ai guéri, il est qui par rapport à nous? C'est aussi qu'un homme comme nous. Et après, tu passes à côté de lui. Après, tu prends ton téléphone, tu appelles tes copines, tes collègues de critique, tes femmes, des associations, des femmes sans vision, sans projet, là. Et après, tu soulèves encore ton téléphone, tu appelles tes parents. C'est ça, oh. Yeah, yo, oui, oui. Arrêtez de me fatiguer. Philippiens 2. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs. Donc Dieu dit, afin d'être irréprochable et pur, faites toujours sans murmure. Bien aimé, je vais vous poser une question, mais ne prenez pas ça pour de la provocation, parce que c'est une exhortation. Amen. Je vais reprendre. Je vais vous poser une question, mais ne prenez pas ça pour une provocation. Ok? Parce que c'est c'est une exhortation en vue d'éclaircir les enfants. Je vais vous poser une question. Depuis quand on vous a dit que l'eau, j'ai qu'il fabrique une bénédiction? C'est une question. Vous avez tout gâté avant la prière. Moi, je vais vous poser une question. Depuis quand on vous a dit que l'eau, j'ai qu'il fabrique miracle? Je vais répéter la question. Momo, vous pariez. Depuis quand on vous a dit que Eloge qui s'y fabrique miracle? Vous avez quelqu'un qui se tue pour vous, qui se fatigue pour vous, même pas merci pasteur, vous vous plaignez. On appelle, il ne décroche pas. J'ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Pourtant, c'est lui qui donne son numéro de téléphone. C'est pas le message de Jokissi. Tu as vu, non? Son programme-là est trop long. Ah, ce cas-là, même là, mais moi, je ne comprends pas. Comment un homme peut prêcher pendant 18 heures? Lui, il est comment? Mais il pense que tout le monde est comme lui. Oui, oui, oui. L'Ivoirien, là. Oh, tu as écouté son message hier, là. Oui. Toi aussi, tu as donné. Tu te rappelles, non? On a donné une semence. J'ai battu autel. J'ai fait alliance. Pasteur, toi là, tu es un vrai serviteur de Dieu. Tu sais, moi, j'étais allé là-bas chez un pasteur, là. J'ai acheté un instrument de musique. Il a pris tout mon argent. Ah bon? Mais ma chérie, tu as acheté un instrument de musique là. C'est pour l'œuvre de Dieu ou c'est pour le pasteur? Tu dis c'est pour l'œuvre de Dieu, mais c'est le pasteur qui a pris l'argent. Ah bon? Mais est-ce qu'on t'a forcé? Tu dis non. Mais pourquoi tu es fâché? Il ne priait pas pour moi. Mais quand je l'appelais, il ne décrochait jamais, il n'était jamais disponible. Tu l'appelles là, il ne répond pas. Tu envoies un message, même parfois il ne répond pas. Ah bon? Yo, j'ai dit oh. C'est pas Dieu qui bénit ou bien c'est le pasteur qui bénit? Ah. Dis à quelqu'un pardon. Vous vous plaignez trop. Vous nous fatiguez là. Hein? Ah. C'est le bon Dieu que tu es en train de servir. S'il dit qu'il n'est pas prêt à te bénir. Tu n'as qu'à aller le voir là-bas et vous allez arranger votre affaire. Hein? C'est tout. Tu lui dis, bon Dieu, moi, je ne comprends pas l'affaire là. D'après les Haïtiens, que bon Dieu te bénisse. Donc, c'est le bon Dieu qui bénit. Il te dit d'être patient. Aïe. Moi, je ne comprends pas.
Parfois, le pasteur, il s'ouvre comme ça. Il dit, mais pasteur, tu m'as dit de faire, j'ai fait, mais depuis là, je ne vois pas les résultats. Aïe. Non. Vous boudez trop Dieu, quoi. Pourtant, il n'a rien fait. Oh. Donc, j'espère que je vous ai fait passer une bonne soirée. On va chanter cette chanson. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Répète cette parole. Seigneur, aide-moi à faire face à mes responsabilités. Empêche-moi de murmurer, car les murmures détruisent l'onction. Les murmures détruisent la vie. Répète encore, Seigneur, aide-moi à faire face à mes responsabilités. Empêche-moi de murmurer, car les murmures détruisent l'onction. Les murmures éloignent l'onction. Les murmures éloignent l'onction. Au nom de Jésus. Tu vas détruire l'esprit des murmures. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous pour les murmures. Pardonne à nos frères et sœurs pour les murmures. Pardonne à nos amis pour les murmures. Et délivre-nous des liens de l'ennemi. Seigneur, délivre-nous des liens des ombres de la mort. Seigneur, pardonne à ma femme, à mes enfants. Délivre-nous des murmures. Seigneur, délivre mes enfants des murmures. Seigneur, délivre Momo et sa femme des murmures. Au nom puissant de Jésus. Voici une astuce qui va vraiment vous aider. Amen. Et demandez à Dieu de vous donner la force de cultiver ça tous les jours. Chaque fois qu'il y a une situation, l'ennemi aura aimé que ça perdure. Mais souvenez-vous, mes bien-aimés, que le Seigneur a dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Amen. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Chaque jour, cultivez l'art de la communication. Cela va briser le plan du diable. S'il y a un problème, ne dites rien. Priez, Seigneur, que ce problème s'arrête immédiatement. Seigneur, que cette dispute qu'ils ont provoquée entre ma femme et moi s'arrête immédiatement. Seigneur, que cette confusion qu'ils sont en train de créer dans nos cœurs s'arrête immédiatement.
Bien-aimé, si un problème survient dans votre couple, ça veut dire qu'ils ont déclenché quelque chose dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme. Si vous voulez que les bruits cessent dans l'esprit de votre mari, de votre femme et de la personne qu'on a mise en conflit avec vous, ne dites rien. Seigneur, j'envoie le feu dans l'esprit de telle personne. Je ne veux pas être en colère contre elle. Je ne veux pas être en conflit contre elle. Seigneur, j'envoie l'amour dans le cœur de telle personne. Parce que eux, ils ont envoyé la haine et la division dans votre esprit. Et l'esprit est en train de subir la pression. Et vous devez cultiver l'art de la communication. La première chose dans l'art de la communication, c'est envoyer les ondes par la prière. Seigneur, touche son cœur. Tout ce qui est entré dans son cœur, qui est en train de la détruire, qui est en train de ronger son cœur de haine. Je brise la haine. Je bannis la haine. Tu dis le nom de la personne clairement. Si c'est Eloge qui dit Seigneur, cette confusion qui sont en train de créer entre Eloge et moi, je brise et je détruis. Par exemple, ma femme, toute confusion qu'ils ont créée, la zizanie, les pensées, les choses qu'ils vont faire pour troubler son esprit, je brise et je détruis. J'envoie le feu, je casse au nom puissant de Jésus. Le voile soit brisé, tout ce qu'ils ont fait pour détruire mon image, la mauvaise réputation dans l'esprit, je brise au nom de Jésus. J'envoie le feu dans son esprit et je consume tout ce que l'ennemi a semé. La zizanie, la confusion, la division, peu importe ce qu'ils ont semé pour nous retourner les uns contre les autres. Les ordres qu'ils nous ont donnés, je les détruis. Peu importe ce qu'ils ont sémé dans notre esprit pour qu'on ne s'entende jamais, pour qu'on se dispute tout le temps, pour qu'on se querelle tout le temps, pour qu'on puisse s'échanger tout le temps. Je brise et je détruis les divisions entre nous, les séparations entre nous. Je brise et je détruis tous les rituels pour vider notre maison, tous les rituels d'expulsion. Au nom de Jésus, les rituels de division, les rituels de divorce, j'envoie le feu dans l'esprit de mes bienfaiteurs. Toute personne dont le diable veut endurcir le cœur est retournée contre moi. Je libère ton cœur, je libère ton cœur. J'annule les rituels de division, j'annule les pratiques occultes, j'annule les pratiques magiques, j'annule les pratiques diaboliques. Tout ce qu'ils ont sémé dans notre esprit, la confusion, je bannis la confusion de notre esprit, la division, même les décisions qu'ils ont prises, qu'ils ont introduites dans notre esprit, je les détruis au nom de Jésus. Les divisions, les jugements, les condamnations, tout ce qu'ils ont sémé dans nos esprits, je prie et je détruis au nom de Jésus. Vous priez, vous débarrassez l'esprit de tout. Bien-aimés, vous serez étonnés de la vitesse à laquelle l'affaire sera réglée. Oh, bien-aimé, même si quelqu'un t'a dit non, il y a des choses que je préfère garder pour moi seul. Ok? Même si quelqu'un t'a dit non, peu importe ce qu'on est allé lui dire, peu importe comment ils ont fait, puis la personne t'a refusé le financement, peu importe ce qu'ils ont sémé dans l'esprit de la personne, les mensonges, peut-être que quelqu'un est passé dans ton dos. Bien-aimé, le même individu qui t'a dit non, va revenir pour venir te dire oui. C'est à cause des sirènes des eaux là que je préfère me protéger. Je préfère aussi vous protéger. Je préfère aussi protéger nos femmes et nos frères. Parce qu'il y a des sorciers et des sirènes des eaux qui viennent écouter les prédications là, c'est pour aller essayer ça sur les gens. Donc, je tamise ce que j'ai dit. Je calcule ce que j'ai dit. C'est comme ça. Et je te garantis que la façon dont vos cœurs vont s'apaiser, vous serez même étonné. La paix va revenir en vous comme si vous n'avez jamais été en conflit. Et ce genre de prière-là, ça ne fait pas seulement que calmer les conflits. Ça annule ces conflits comme si ça n'a jamais existé. Vous allez voir que l'amour sera intact. La paix sera intacte. La communication sera intacte. Mais si vous décidez de vous faire violence, bon, on doit se parler parce que Dieu a dit de se parler. Il ne faut pas avoir dormi dans la colère. Vous allez remarquer que ça va vous prendre des jours. Ça va vous prendre des mois. Ça va vous prendre des semaines pour oublier l'affaire. Parfois, vous serez en train de vous parler, mais vous saurez que vous êtes hypocrite. Vous efforcez, mais le cœur n'est pas en paix. Parce que les conséquences des tourments spirituels dans votre esprit sont toujours là. Donc,
ce que vous devez faire, c'est que les œuvres de l'ennemi sèment la confusion en vous. Allez-y et détruisez les œuvres de l'ennemi. Alors quand c'est comme ça, on va dans le règne des esprits. Oh oui Seigneur, je détruis toutes les confusions qu'ils ont semées dans l'esprit de ma femme et moi. Je détruis la division, je détruis les décisions qu'ils ont prises et qu'ils ont introduites dans l'esprit de temps. Je brise au nom de Jésus tout ce qu'ils ont semé dans l'esprit de dodo, je brise au nom de Jésus. Oui Seigneur, que tout ce que l'ennemi a fait pour endurcir les cœurs, afin de retourner les gens contre moi, soit totalement détruit. Je détruis les œuvres de la sorcellerie, je les casse et je les détruis, je les annule et je les supprime. Tout ce qu'ils ont semé dans mon esprit pour changer les plans de Dieu pour moi, pour divertir les décisions de Dieu pour moi, pour inverser les décisions de Dieu pour moi, je les détruis au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qu'ils ont semé dans l'esprit d'océan de grâce, la colère, la haine, la division, la mésentente, toutes choses qu'ils ont créées pour nous maintenir occupés. Oh oui, toutes choses que l'ennemi a semées dans la vie des chaînes mafiamba. Je prie et je détruis au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont semé dans ton esprit alors que tu dormais. Tout ce qu'ils ont semé pour changer les idées de Bethany. Oh oui, tous les rêves volés reviennent. J'entends à tous les rêves qu'ils t'ont volés, les bonnes idées qu'ils t'ont volées, de revenir au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, je brise et je détruis tout ce qui a été semé dans la vie des esprits, dans l'esprit de Michel. Toutes les décisions que le monde des ténèbres a prises et qu'ils ont introduites dans notre vie. Les décisions dans la vie de Claude, toutes les semences qu'ils ont semées, toutes les choses qu'ils ont semées au nom de Jésus. Je brise même les choses qu'ils ont utilisées, le visage des gens pour s'aimer contre nous. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis les œuvres de la sorcellerie. Tout ce qu'ils ont semé dans mon esprit, dans mon mariage, dans mes jours à venir, dans mes semaines à venir. Je brise et je détruis les œuvres de l'ennemi. Oui Seigneur, que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites. Que tous les plans de l'ennemi soient détruits. Je brise au nom de Jésus tout ce qu'ils ont semé. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis les chaînes, les cordes, les envoûtements, les barrières qu'ils ont installées sur le chemin de logique ici. Je brise et je détruis les accidents d'avion. Tous les malheurs, c'est les divisions contre moi et logique ici. Contre le ministère de Jésus-Christ, contre l'église de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus. Que tout ce qui a été semé dans ma vie soit détruit. Que tout ce qui a été dit contre moi soit détruit. Que tout ce qui a été fait contre moi soit brisé. Je brise et je détruis les semences de la sorcellerie, les accidents de la sorcellerie, les malheurs de la sorcellerie, tous les problèmes que j'ai depuis le monde des ténèbres. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait contre moi depuis le règne des esprits. Tout dossier qui a été constitué contre moi soit brisé. Je brise les dossiers, je brise les choses, je brise les montages, je brise tout mal qu'ils ont fait contre ma femme, contre mes enfants, contre mes bienfaiteurs. Je brise au nom de Jésus. Je détruis toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nos enfants sont liés, nos enfants sont enchaînés. Je brise les prisons, je brise les chaînes, je brise les cordes, je brise les liens, je brise les choses qu'ils ont faites, les barrières entre moi et mes bienfaiteurs, les barrières entre moi et mes bienfaiteurs, les barrières entre moi, je brise et je détruis les barrières entre moi et ma femme, toute barrière visible et invisible, toute barrière visible et invisible, au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qu'ils ont fait pour vider ma maison de ses habitants. Pour vider ma maison de ses habitants. Pour vider ma maison de ses habitants. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que personne parmi ma femme, mes enfants, ne sera vidé de ma maison. Personne ne sera vidé. Personne ne sera vidé. Personne ne sera vidé. Personne ne sera vidé. Je brise les départs obligatoires. Je brise les départs obligatoires. Je brise les départs obligatoires. Je brise les séparations obligatoires. Je brise les divisions obligatoires. Je brise les séparations obligatoires. Je brise les divisions obligatoires. Je brise les séparations obligatoires. Je détruis tout ce qu'ils ont fait pour diviser l'océan des grâces. Au nom puissant de Jésus. 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 Toute trahison que le monde des ténèbres a créée depuis le règne des esprits soit brisée. Je brise la trahison. Je brise la manipulation. Je brise la manipulation. Je brise les trahisons. Je brise les confusions. Je brise les divisions. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie depuis le règne des esprits. Je brise au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les pièges qui m'ont été tendus, le mal qui a été fait contre moi, les jugements préparés contre moi. Je les démolis au nom de Jésus.
J'ai détruit tout ce qui a été fait contre moi depuis le règne des esprits. J'ai détruit tout ce qui a été dit contre moi depuis le règne des esprits. J'ai détruit tout ce qui a été préparé contre moi depuis le règne des esprits. J'ai pressé, j'ai détruit. 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 Les choses que l'ennemi a faites pour me lier. Que toutes les œuvres de la sorcellerie soient brisées. Tout ce qu'ils ont fait pour m'enterrer soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait pour me lier soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait pour me vendre soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher soit brisé au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, tu as dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je brise l'esprit des murmures. Je brise les murmures, je brise les plaintes, je brise les jugements, je brise les murmures, je brise les plaintes, je brise les murmures, je brise les jugements, je brise au nom de Jésus, que les murmures soient brisées, que les jugements soient brisés, que les choses du monde des ténèbres soient brisées. J'ai détruit les murmures, 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 j'ai détruit les gémissements, j'ai détruit les murmures, j'ai pressé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a fait. Tout ce que l'ennemi a dit, j'ai brisé, j'ai détruit. Le pouvoir des serpents, les pouvoirs des serpents, toute chose qui a été faite contre moi, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire, soit brisé, annulé, 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 au nom puissant de Jésus. Bien aimé, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire en étant en direct. Pourquoi? Parce que ces choses-là, je dois les garder pour moi seul. Je vais juste vous donner un conseil. Ne doutez jamais de la capacité de Dieu à vous délivrer. Ne doutez jamais de la capacité du Seigneur à vous délivrer. Quelqu'un d'un pays dont je vais taire le nom, parce que en tant qu'enseignant et prophète, l'une des choses qui est aussi très importante, qui est très importante, c'est la loi du silence. La loi du silence par rapport au secret. La loi du silence par rapport à la source de nos pouvoirs avec Dieu. La loi du silence par rapport à nos totems et aux interdits. Ça, n'importe quel prophète est tenu par la loi du silence de ne pas divulguer certaines choses. Parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, à partir du moment où l'ennemi découvre ta stratégie pour te préparer, tu crois que tu es juste en train de communiquer ça à quelqu'un, ils vont te détruire avec ça. Et je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un ose vous attaquer alors que vous ne lui avez rien fait, cela se retournera contre lui, même si vous n'avez pas dit à Dieu de le faire. Amen. Il y a un homme d'un pays qui m'a lancé un sort. Ça, je suis sûr que c'est un sort. Parce que la chose, je l'ai vue une semaine avant que ça se retourne contre lui. Donc, mes bien-aimés, la Bible dit, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Personne ne peut vous vaincre. Tu vas donc détruire tous pièges qui sont en train de t'étendre depuis le règne des esprits. Amen. Il y a des gens qui sont là, je me sens bien. Effectivement, quand tu respires, tu te sens bien. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi besoin de vos soutiens. On a aussi besoin de vos soutiens. Amen. On a aussi besoin de vos soutiens pour que le ministère avance. On a aussi besoin de vos aides pour que le ministère avance. Parce qu'on est en train de lancer notre propre chaîne télé ou bien notre propre site pour les diffusions en direct. Mais n'oubliez pas, une équipe informatique doit travailler
Et nous devons vraiment payer cher pour que nous ayons la capacité à faire du live sur les réseaux sociaux. Bref, c'était une parenthèse. Donc, bien-aimé, tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Tu vas détruire le plan de l'ennemi. Tu vas détruire les chaînes de l'ennemi. Tu vas détruire les liens de la servitude. Tu vas détruire les plans de la sorcellerie. Tu vas les détruire. Tu vas dire à Dieu que toute âme qu'ils ont forgée contre toi en cette année soit totalement démolie. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que toute arme forgée contre toi soit démolie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas quelle âme qui a été forgée contre moi. Je ne sais pas quelle âme de séduction. Je ne sais pas quelle âme de manipulation. Je ne sais pas quelle âme de faux mensonge qui veut l'utiliser sur les réseaux sociaux. Peut-être que le diable veut aller dans les rêves d'une femme, manipuler cette femme en lui faisant croire qu'elle a vu et logé ici en tant qu'un faux pasteur. Peut-être que le diable veut aller dans les rêves d'une femme en Afrique ou n'importe quel endroit pour lui dire, regarde, cet éloge ici là, c'est un faux pasteur. Peut-être que le diable veut aller dans l'esprit de quelqu'un, lui donner des fausses visions pour m'accuser. Mais bien aimé, j'ai détruit toute stratégie que le diable veut utiliser contre moi au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Toute fausse accusation qui veut me coller soit totalement détruite au nom de Jésus. J'ai détruit toute ruse du diable en vue de me discréditer. J'ai détruit toute ruse du diable en vue de me diffamer. J'ai détruit toute ruse du diable en vue de me disqualifier. J'ai détruit toute ruse du diable en vue de me réduire à rien. J'ai détruit toutes les ruses utilisées par le monde des ténèbres en vue de réduire ma voix au silence. J'ai brisé, j'ai détruit au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toute femme que le diable veut utiliser pour m'accuser n'atteindra jamais son but. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que toute personne par qui l'ennemi va passer pour créer des faux mensonges, des faux témoignages contre moi, que son plan échoue au nom de Jésus. Alléluia. Que ton plan échoue, que son plan échoue, que son plan échoue au nom puissant de Jésus. Que ton plan échoue, tout individu que l'ennemi va vouloir utiliser, que son plan échoue au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, peut-être que le diable veut utiliser l'un de tes amis, l'une de tes amies, l'un de tes copains pour venir te coller un faux mensonge. Oh, elle a fait ça. Tous les faux témoignages dont le diable s'est servi comme arme, je les brise au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tous les faux témoignages dont nos ennemis veulent se servir comme arme. Les faux témoignages sur les réseaux sociaux, je les bloque au nom de Jésus. Alléluia. Même si l'ennemi passait dans le rêve de quelqu'un pour lui faire croire qu'ils m'ont vu dans une situation délabrée, qu'ils m'ont vu dans une situation où j'ai fait du fétichisme et j'ai fait du maraboutage, j'ai brisé, j'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les œuvres de l'ennemi, les complots de fin d'année, les complots de fin d'année. Je les démolis, je les détruis, je les démolis, j'ai brisé, j'ai détruit tous les complots de fin d'année dans le règne des esprits, les complots de fin d'année, les projets de fin d'année, les complots de fin d'année, les projets de fin d'année, les complots de fin d'année, nous les détruisons. Tout complot contre l'Église de Jésus-Christ, nous les détruisons. Toutes les décisions qu'ils ont prises dans le monde occulte, nous les brisons et les détruisons au nom de Jésus. Alléluia. J'ai détruit tous les complots de fin d'année. Tous les complots de fin d'année contre ma vie. Les complots de fin d'année. Les complots de fin d'année. Au nom puissant de Jésus. 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 J'ai détruit les complots de fin d'année. 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 Je les brise au nom de Jésus. Alléluia. Tout complot de fin d'année contre les familles en Jésus-Christ. Tout complot de fin d'année contre les enfants de Dieu. Les complots de fin d'année contre nos foyers, nos enfants. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Alléluia.
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous brisons les complots de fin d'année, les décisions de fin d'année, tous les fusils de fin d'année, toutes les armes de fin d'année fabriquées par le monde des ténèbres, nous les détruisons au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de l'occultisme. J'ai brisé, j'ai détruit les complots de fin d'année. Tous les complots de fin d'année montés contre ma femme, mes enfants et moi, je les détruis. J'ai détruit tout complot de fin d'année. Le 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 complot de fin d'année. Les complots de fin d'année, les complots de fin d'année, les complots de fin d'année qui ont été montés contre moi depuis des années, je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit tout complot de fin d'année utilisé contre moi depuis le monde des ténèbres. J'ai détruit les complots de fin d'année. 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 J'ai détruit les âmes de fin d'année. J'ai détruit les délais de fin d'année. Tous les délais que le monde des ténèbres a monté contre moi, je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit tous les délais. 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 Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout complot de fin d'année qui ont été montés contre moi depuis le royaume des ténèbres. Tout complot de fin d'année qui ont été montés contre moi. Les âmes de fin d'année, les fétiches de fin d'année, les pratiques de fin d'année, les sacrifices de fin d'année. J'ai détruit tout au nom de Jésus. Que tout sacrifice de respect, de serment, que les gens de la famille veulent utiliser ma vie pour faire soit brisé. Je brise et je détruis les sacrifices de respect, de serment, les sacrifices d'engagement, les sacrifices d'introduction dans la sorcellerie. Je brise et je détruis. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Tous les sacrifices de fin d'année, les sacrifices de respect, d'engagement, les sacrifices d'endettement, les sacrifices pour payer les dettes, les sacrifices humains, les sacrifices de chair, les sacrifices du sang, les sacrifices de vie humaine. Je les brise au nom de Jésus. Que tous les complots de fin d'année, que tous les complots de fin d'année montés depuis la profondeur de ma fondation soient brisés au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit le pouvoir de toute personne qui doit avoir le droit de vie, le droit de vie, le droit d'ôter la vie de ma famille. Tout agent des ténèbres qui dit avoir le droit d'ôter la vie, avoir le droit de prendre la vie, soyez décopés. Soyez décopés, soyez décopés, soyez décopés, soyez broyés, soyez chassés de ma vie, soyez décopés, soyez broyés au nom de Jésus. J'envoie maintenant le feu de Dieu pour détruire les complots de fin d'année, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, délivre Virginie. Seigneur, délivre Virginie, Gergette, Yari, de tout esprit de distraction qui l'empêche de se concentrer. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre Virginie, Yari, de tout démon qui la pousse à écrire en priant. Seigneur, délivre-les de tous ces esprits de distraction. Seigneur, délivre tes enfants de tout esprit de distraction. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Seigneur, délivre toute personne tellement distraite qu'elle écrit en priant. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Je brise les complots de fin d'année. 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 Seigneur, délivre toute personne sous l'emprise des démons de sa famille qui l'empêche de fermer ses yeux pour prier, qui l'empêche de se concentrer pour prier. Je détruis les complots de fin d'année. Que les complots de fin d'année soient détruits. Les complots de fin d'année. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre ma femme, mes enfants et moi des complots de fin d'année. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre notre maison des complots de fin d'année. Seigneur, délivre notre vie des complots de fin d'année. Seigneur, délivre notre maison des complots de fin d'année. Au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit le complot de fin d'année. J'ai brisé, j'ai détruit le complot de fin d'année. J'ai détruit le complot de fin d'année. J'ai détruit l'esprit de distraction. Seigneur, délivre tes enfants de tout esprit qui les empêche de se concentrer. J'ai brisé le complot de fin d'année. J'ai brisé le complot de fin d'année. J'ai brisé le complot de fin d'année. Tous les pièges qui m'ont été tendus dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins de ce pays, je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit les pièges. C'est le pouvoir. 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 J'ai détruit les pièges et le pouvoir. J'ai détruit les pièges et le pouvoir.
J'ai détruit les pièges au nom de Jésus. Que tous les complots, que toutes les décisions, que toutes les pratiques diaboliques des fins d'année, les sacrifices humains, je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit tous les complots des fins d'année, tout piège qu'ils m'ont tendu, dans un sacrifice, je brise et je détruis. Tout piège qu'ils m'ont tendu, tout piège qu'ils ont tendu à ma femme, tout piège qu'ils ont tendu à mes enfants, je brise et je détruis. Les complots des fins d'année, au nom de Jésus. Amen. Dans l'ignorance, beaucoup de chrétiens sont piégés par les membres de leur propre famille qui les poussent à faire des choses qui les tuent. Ils ont eu beaucoup de personnes qui se sont vendues. Une tante a été piégée par les sorciers du village. Ils ont tué un monsieur. Le monsieur est mort. Maintenant, les deux sorciers qui ont fait le coup sont allés voir la tante là, qui a des connaissances de voyance, qui a des dons de voyance pour faire un médicament pour les protéger. Vous voyez? Et ils sont venus dire, oh non, on voit le mort en rêve. Par exemple, hein? Donc, faut faire un médicament pour nous protéger. Et dans son ignorance, elle a fait le médicament pour les protéger. Elle-même, elle a été frappée. Elle est tombée malade. Elle est morte. Je connais un monsieur qui allait adorer la rivière de son père. Lorsqu'on lui a dit d'aller adorer la rivière de son père, on lui a dit d'envoyer un poulet. Il a appelé tous ses enfants pour aller suivre la tradition, adorer les eaux. Ils sont allés adorer les eaux. Ils ont tué le poulet. Ils ont mangé le poulet. Mais il ne sait pas que le poulet représentait son propre fils. Et quand ils sont revenus de l'adoration, dès qu'ils ont mis le pied au village, l'un des fils du monsieur est tombé, il est mort sur le champ. Le même jour de l'adoration. Si vous allez au village, ils vont vous dire, oh non, il y a tel sacrifice à faire. Il y a telle chose à faire. Parfois, c'est vous-même le sacrifice. On fait venir tuer un poulet. Il y a un monsieur qui m'a piégé quand j'étais enfant. Il voulait faire son sacrifice. Mais le féticheur lui a dit, tu ne feras pas le sacrifice toi-même. Tu vas utiliser un enfant innocent qui va tuer le poulet pour toi. Et moi, Éloge, j'ai joué avec un ami du nom de Paturne. Le monsieur qui a fait cela s'appelait Aké. Mais comme il y a plusieurs Aké,
Et il est venu me dire, dis à Patune, Patune, est-ce que tu peux venir tuer un poulet pour moi? Mais Patune, ses parents l'avaient avisé. Donc, il dit qu'il ne veut pas. Et moi, il m'a appelé, il dit, Éloge, est-ce que tu peux venir sacrifier, tuer un poulet pour moi? J'ai dit, volontiers. Ça me coûte quoi? Et j'avais moins de 6 ans. 6, 7 ans. Innocent. En voulant être gentil. Imaginez un enfant de 6, 7 ans, par exemple. Et j'ai été, peut-être 10 ans, je ne sais même plus. J'ai été tuer le poulet pour lui. Sans oublier que je venais de vendre mes grâces. Mais bien aimé, pendant des nuits, des années, je faisais des cauchemars sur ce monsieur. Et Dieu me disait, ce gars-là, il y a quelque chose qui t'appartient, qu'il a pris. Dieu me montrait ça. Dans mon ignorance, je savais quoi? C'est combien d'années et d'années et d'années après. Je vous parle d'une affaire de entre 7 et 5 et 10 ans. J'avais entre 7 et 10 ans, peut-être même moins que ça. Très jeune. J'espère que tu n'es pas tombé dans un piège que tu as totalement oublié. Donnez des conseils à vos enfants. N'allez pas au village comme si vous étiez ignorant de ce qui se passe dans vos rêves. Voici pourquoi, bien aimé, très souvent nous devons prier pour la restitution de nos bénédictions enfermées dans le règne des esprits. Que Dieu me pardonne encore une fois d'avoir été naïf, même si j'étais jeune, enfant, innocent, en croyant que je devrais être gentil. Bien aimé, parfois, mieux vaut être méchant. Quand il s'agit de quelqu'un que le diable va prendre pour te faire tomber, et toi-même, tu sais que quand tu es tombé, que ta réputation est détruite, là, tu es fini. Mieux vaut être méchant. Parce que ces personnes-là vont te faire tomber, demain vont ailleurs. Soyez prudent. L'année est en train de finir. Le diable va passer par des gens pour vous piéger. Ils ont piégé beaucoup de gens au village. Comme je l'ai raconté la fois passée. Je le rappelle aujourd'hui. Parce que parfois la répétition est pédagogique. Vous oubliez trop vite. La fête est encore en train d'arriver. Ils vont vous appeler. Oh, est-ce que tu peux venir tuer poulet pour moi? Parfois, ils ont leurs enfants au village. Hein? Mais c'est toi qui viens d'appeler pour aller tuer poulet. Vous n'avez jamais remarqué ça. Et ils font semblant. Oh, mes enfants là, je leur ai dit de venir tuer poulet là. Ils ne veulent pas, ils veulent pas. Ils ne sont pas gentils. Oh, mon petit, viens, tu as tué un poulet pour moi. C'est parce qu'ils sont des connivences avec leurs enfants sorciers là. Et te voici dans ton ignorance. Tu vas à gauche, tu tues poulet pour tel. Tu vas à gauche, tu tues poulet pour tel. Oh, le poulet même, c'est toi. Moi, j'ai grandi au village. J'ai observé. Même si j'ai quitté le village à l'âge de 14 ans. L'expérience de 14 ans. J'ai quitté le village définitivement à l'âge de 14 ans. Mais je suis capable de retourner jusqu'à 3 ans. 2 ans. Ce qui s'est passé, je me souviens encore comme si c'était hier. Bien-aimé, ne laissez personne vous sacrifier pour atteindre ses objectifs égoïstes. Ne laissez aucune femme vous sacrifier pour atteindre ses objectifs égoïstes. Nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes cherchent des gens ignorants et naïfs à utiliser. C'est pour ça aujourd'hui, certaines personnes viennent voir vous faisant semblant de vous aimer. Quand elles ont atteint vos buts, elles vous abandonnent comme des morceaux de torchon.
Ils vont vous utiliser pour traverser des moments difficiles. Lorsque ça va chez eux, ils vous foutent à la poubelle et ils se barrent. L'homme noir est comme ça. Il sacrifie l'étoile des femmes. Parce que les marabouts leur ont dit, pardonnez-moi du thème, les parties intimes de la femme regorgent de beaucoup de bénédictions et de miracles. Alors couchez avec les jeunes filles et vous deviendrez très riche. Alors ils viennent vous manipuler et ils vous retirent vos vertus, ils vous prennent vos chances. Et quand ils ont pris ça, quand vous leur aviez ça, parce que c'est un sacrifice, quand vous leur sacrifiez vos dons, votre mariage et vos vertus, quand vous sortez de ces relations bizarres là, après ça vous devenez quoi? Regardez-moi et dites-moi. Ça fait des années que vous avez eu des relations avec tant et tant. Et depuis que vous êtes sorti de ces relations, c'est un peu comme si on ne vous voyait plus sur cette terre des vivants. Parce que vous aviez sacrifié beaucoup de choses. J'exige la restitution de toutes nos bénédictions qui ont été mystiquement sacrifiées. Et je les réclame depuis le règne des esprits. Je les réclame depuis le règne des esprits. Toutes nos bénédictions dissimulées dans les ténèbres, vous sortez et vous revenez. 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 Toutes nos bénédictions qu'ils ont vendues, qu'ils ont volées, vous sortez et vous revenez. Bien aimé, ce n'est pas toutes les femmes qui viennent coucher avec toi et qui viennent coucher avec toi parce qu'elles t'aiment. Moi, je vais prêcher sur ça. Même si ça vous dérange, il y a des gens qui viennent parce qu'elles ont besoin de ton pouvoir. Il y a des hommes qui viennent parce qu'ils ont besoin de ton pouvoir. Ils vont t'embêter comme si tu aimais. Tu ouvres la porte, là, ils frappent comme ça. Bye, ils se barrent. Et après, tu es là. Je ne sais pas pourquoi ma vie ne va pas. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a fait pour sacrifier la vie des enfants de Dieu. Je brise et j'annule les sacrifices diaboliques qu'ils ont faits. Tout ce par quoi l'ennemi a réussi à atteindre vos buts, je les détruis au nom de Jésus. Et que vos chances vous soient retransférées. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, je me repens d'avoir sacrifié ces poulets pour des gens de manière ignorante. Je me repens de les avoir aidés à faire leur fétiche Seigneur. Et je réclame toutes mes chances qui ont été volées au nom de Jésus. J'appelle mes vertus, j'appelle mes chances, j'appelle mes grâces, j'appelle mes faveurs, j'appelle mes bénédictions. Que toutes les grâces et les faveurs que j'ai perdues depuis le règne des esprits reviennent au nom de Jésus. J'appelle toutes mes bénédictions qui ont été enfermées depuis le règne des esprits. Je les appelle au nom de Jésus. J'appelle mes chances et mes faveurs. J'appelle mes vertus et mes bénédictions. Que toutes les bonnes choses que j'ai perdues, parce que l'ennemi les a transférées dans son camp, reviennent au nom de Jésus. Je réclame toutes mes bénédictions qui ont été capturées, que ce soit par le diable et ses agents, à travers les rapports, je les réclame au nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions qui ont été capturés, qui ont été détournés, nos chances, nos faveurs, qui sont enfermées dans le règne des esprits. Je vous appelle au nom de Jésus. Que toutes nos bénédictions que nous avions perdues dans la jeunesse, dans l'enfance, dans le passé, reviennent au nom de Jésus. Que nos clés reviennent, que nos chances reviennent, que nos faveurs reviennent. J'appelle nos bénédictions qui sont restées dans le passé. Que tous mes biens enfermés dans le règne des esprits reviennent. Que mes bénédictions reviennent, que ma faveur revienne, que mes chances reviennent au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait dans le règne des esprits pour me disqualifier, pour me paralyser, pour me bloquer, pour me freiner. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Tout ce qui a été dit et fait dans le règne des esprits, je détruis toute accusation,
dans le règne des esprits. J'ai détruit tout plan de l'ennemi dans le règne des esprits au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout ce qui a été fait contre ma femme, mes enfants et moi dans le règne des esprits. J'ai détruit tout ce qui a été fait contre ma femme, mes enfants et moi dans le règne des esprits. J'ai détruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a dit et fait contre moi et ma maison dans le règne des esprits. J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit et fait pour nous attacher. Oui, Seigneur, si ma vie a été attachée, si mes chances ont été capturées, je les déterre au nom de Jésus. Que mes clés reviennent, que mes chances reviennent, que ma grâce revienne, que mes faveurs reviennent. J'ordonne que tout ce qui a été volé à ma femme depuis son enfance soit libéré. Que toutes nos bénédictions qui sont entre les mains de nos parents reviennent. Au nom de Jésus, j'ordonne le retour de nos bénédictions. Que toutes nos bénédictions qui ont été volées dans le règne des esprits soient ramenées. Que tous mes biens enfermés dans le règne des esprits reviennent. Que toutes mes chances dans le règne des esprits reviennent. Que toutes mes faveurs dans le règne des esprits reviennent. Au nom de Jésus. J'appelle mes chances, j'appelle ma faveur, j'appelle mes grâces, j'appelle mon travail, j'appelle mes fils, j'appelle au nom de Jésus. Que tous mes biens enfermés dans le règne des esprits reviennent au nom de Jésus. Oui Seigneur, que toutes mes bénédictions enfermées dans le règne des esprits reviennent. Que toutes choses que j'ai perdues il y a des années de cela, des décennies de cela, des lustres de cela, des années de cela, des décennies de cela, sortent de la captivité reviennent au nom de Jésus. J'appelle mes biens, j'appelle ma vie, j'appelle mes biens, j'appelle. Que toutes mes bénédictions qui m'ont été volées dans le rêve de, dans le règne des esprits reviennent. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'ai détruit les œuvres, j'ai détruit les contrats, j'ai détruit les alliances, j'ai détruit les pactes, j'ai détruit tout ce qui a été fait contre ma femme, mes enfants et moi, tout ce qui a été fait contre nos airs de grâce, toute âme qui a été forgée contre nous soit brisée. J'ai détruit les sacrifices que j'ai aidé mes ennemis à faire. Seigneur, pardonne-moi pour les sacrifices. Je donne à mes chances de revenir, à mes grâces de revenir, à mes faveurs de revenir, à mes bénédictions de revenir, à mes chances de revenir, à mes grâces de revenir. Que toutes mes bénédictions qui sont restées entre les jambes d'hommes et de femmes, oui, qui sont restées entre les mains de mes ennemis, sortent et reviennent, sortent et reviennent, sortent et reviennent, sortent et reviennent, sortent au nom de Jésus. Que mes chances, mes clés, mes faveurs, mes grâces, les grâces de ma femme, de mes enfants reviennent au nom de Jésus. Je brise et je détruis les chaînes de l'ennemi. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait contre moi. Je brise et je détruis les envoûtements. Je brise et je détruis les ensorcellements. Que tous mes biens enfermés dans le règne des esprits soient libérés. Seigneur, libère mon travail. Seigneur, libère mon art. Seigneur, libère mes finances. Seigneur, libère mes chances. Seigneur, libère mes clés. Seigneur, libère mes biens. Il est écrit que le voleur confessera son péché, il restituera dans son entier objet pour acquis. Que toutes mes chances volées reviennent, mes chances reviennent, mes faveurs reviennent, mes biens reviennent, mes chances reviennent, mon travail revienne. Que toutes choses que je ne veux avoir, mais qui a été volée reviennent au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que la main qui donne reçoit, celui qui cherche le mieux a-t-il la faveur. Je rappelle tous mes biens enfermés dans le règne des esprits. Je rappelle toutes bonnes choses que je dois avoir, mais qui a été enfermé dans le règne des esprits. J'appelle mes chances, j'appelle ma vie, j'appelle mon âme, j'appelle mon esprit, j'appelle ma vie, j'appelle. J'ai détruit tout ce qui a été fait pour nous enfermer, tout ce qui a été fait pour nous enterrer, tout ce qui a été fait pour nous diviser, toute division entre ma femme et mes enfants, moi, soit brisée. J'ai détruit la division, j'ai détruit les problèmes, j'ai détruit les choses que le monde des ténèbres a faites. J'ai brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les embargos et les divisions, les embargos et les divisions, les embargos et les divisions, les embargos et les divisions. J'ai les détruit, j'ai détruit les condamnations, j'ai détruit les commandements, j'ai détruit cet ennemi, j'ai détruit tout ce qui est, j'ai détruit tout ce qui a été fait. J'ai brisé, j'ai détruit tout mal qui a été fait contre ma femme, mes enfants et moi. J'ai brisé, j'annule, 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 j'ai brisé, j'annule tout ce qui a été fait pour m'attacher dans le règne des esprits, pour me lier, pour me vendre, pour me condamner, pour m'emprisonner. J'ai détruit les prisons spirituelles. J'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été dit et fait contre ma femme, mes enfants et moi dans le règne des esprits. Oh oui, Seigneur, j'ai démoli les œuvres de la sorcellerie, toutes les barrières installées contre moi dans le règne des esprits, toutes les barrières. Je vous renverse, je renverse les barrières, je renverse les accusations, je renverse les condamnations. J'ai brisé, j'ai détruit, même si l'ennemi passait par des gens pour m'accuser, je les détruis, j'ai détruit leurs œuvres.
J'ai détruit les œuvres de toute femme dont le diable veut se servir pour me dénigrer sur les réseaux sociaux. J'ai détruit les œuvres de tout homme. J'ai détruit les œuvres de toute personne. J'ai détruit les œuvres de tout homme. J'ai détruit les œuvres de toute personne. J'ai détruit les œuvres de toute personne dont l'ennemi veut se servir pour me souiller dans les réseaux sociaux, pour me souiller sur les réseaux sociaux, pour me détruire, pour détruire ma réputation. J'ai détruit les œuvres venant des accusateurs, des accusatrices, des personnes et des personnages, des personnes dont le monde des ténèbres veut se servir contre ma vie, contre mon mariage, contre mes affaires, contre mes effets. J'ai détruit les œuvres, j'ai détruit leurs plans, j'ai détruit leurs chaînes, j'ai détruit leurs œuvres. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Que toutes les âmes fauchées contre moi soient brisées. Les âmes de fin d'année soient brisées. Les pièges soient brisés. Les âmes de début d'année soient brisées. Tout ce qui a été programmé contre moi pour se manifester par le monde des ténèbres soit brisé. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de fétichisme. Les œuvres du macabutage. Les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Tout ce qui a été fait pour m'attacher. Tout ce qui a été fait pour attacher ma femme, mes enfants et moi. Tout ce qu'ils ont fait pour attacher mon foyer et mon mariage. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres du mysticisme. J'ai brisé, j'ai détruit. Tout ce qui a été fait pour me dérouter, pour m'attacher, pour me détruire. Au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres de l'occultisme. J'ai brisé, j'ai détruit. Les œuvres de la sorcellerie. Tout ce qui a été dit et fait. Tout ce qui a été dit et fait. Tout ce qui a été dit et fait pour me bloquer, pour me freiner, pour me retarder, soit brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres du fétichisme. Que tout ce qui a été fait contre ma femme, mes enfants et moi soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit le voile de la sorcellerie. J'ai détruit les plans de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Que tout plan de l'ennemi soit détruit. Tout plan de sorcellerie soit détruit. Tout plan de jugement soit détruit. Tout plan de condamnation soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été jugé et vendu, j'ai détruit la vente, j'ai détruit la vente, j'ai détruit la vente. Seigneur, si j'ai été jugé et vendu, 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 j'ai détruit la vente, j'ai détruit la vente, j'ai détruit la vente, j'ai détruit tout ce par quoi l'ennemi m'a vendu, tout ce par quoi la sorcellerie m'a vendu, tout ce par quoi mes ennemis m'ont vendu. J'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit, j'ai brisé, j'ai détruit la maladie, j'ai brisé, j'ai détruit la mort, j'ai brisé, j'ai détruit les blocages au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a fait soit brisé. Que tout ce que l'ennemi a dit soit brisé. Que tout ce que l'ennemi a fait soit brisé. Au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit les ruses. J'ai brisé, j'ai détruit les fétiches. J'ai brisé, j'ai détruit les envoûtements. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Oui, Seigneur, brise les barrières. Que les barrières cèdent, que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, que les œuvres de l'ennemi soient brisées. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce par quoi ils m'ont attaché, tout ce par quoi ils m'ont lié, tout ce par quoi ils m'ont vendu, tout ce qu'ils ont, ma femme, mes enfants et moi, soit brisé au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai détruit tous les dangers qui pèsent sur les serviteurs de Dieu. J'ai brisé, j'ai détruit les dangers, les liens, les cordes avec lesquelles ils m'ont lié. Que toutes les cordes avec lesquelles ils m'ont lié soient brisées. Oh oui, Seigneur, que ta gloire éclate dans notre vie. Que ta gloire éclate. Si mes biens ont été bloqués, je les débloque. Je débloque toute partie de ma vie qui a été bloquée. Je débloque ma vie. 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 Je débloque. Je débloque. Je débloque ma vie au nom de Jésus. Je débloque ma vie au nom de Jésus. Que mes chaussures soient débloquées. Que mes affaires soient débloquées. Que mon étoile soit débloquée. Que mes chances soient débloquées. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Je débloque. Tout ce qu'ils ont bloqué dans le règne des esprits pour m'atteindre. Alléluia. J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les plans de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour quelqu'un. Si tu as été attaché, je te détache. Si tu as été vendu dans le règne des esprits, je te détache. Si ton étoile a été vendue, je te demande de racheter. Que le sang de Jésus rachète. Que le sang de Jésus rachète. Que le sang de Jésus rachète. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Si mon sang a été vendu, si mon étoile a été vendue, j'ai brisé, j'ai détruit la vente. Si ma âme a été vendue, si j'ai été vendu pour être tué, que ceux qui m'ont vendu meurent à ma place au nom de Jésus. Tout sorcier qui m'a vendu mourra à ma place. Tout sorcier qui m'a livré mourra à ma place. Je prophétise que tous ceux qui m'ont vendu mourront à ma place. Tous ceux qui m'ont vendu, tous ceux qui m'ont vendu, tous ceux qui m'ont vendu. Tous ceux qui m'ont vendu, tous ceux qui m'ont vendu, tous ceux qui m'ont vendu, au nom de Jésus.
J'ai brisé, j'ai détruit les œufs de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les œufs de la sorcellerie. Si j'ai été enterré, j'ai détruit l'enterrement. Si j'ai été lié, j'ai détruit les liens. Si j'ai été attaché, j'ai détruit tout ce par quoi j'étais attaché au village. Seigneur, détache-moi du village. Seigneur, détache-moi du village. Seigneur, détache-moi du village. Seigneur, détache mon âme du village. Seigneur, détache. Seigneur, détache. Seigneur, détache-moi. Seigneur, détache-moi du village. Au nom de Jésus. Père éternel, détache-moi du village pour que je te sois agréable. Seigneur, détache-moi du village pour que je te serve. Seigneur, détache-moi du village pour que je fasse ta volonté. Seigneur, détache-moi du village pour que je te sois agréable. Seigneur, détache tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que toutes les chaînes avec lesquelles ils ont lié ma femme et mes enfants soient brisées. J'ai brisé, j'ai détruit les rituels, j'ai détruit les œuvres des ténèbres, j'ai détruit les pratiques des ténèbres, j'ai détruit les condamnations, les jugements, les condamnations, les malédictions, les jugements, les condamnations, les malédictions, les jugements. J'ai brisé, j'ai détruit, tout ce qui a été fait pour condamner Kafu Ayuga dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été fait pour condamner Ablan Amisha Véronique. J'ai brisé, j'ai détruit, tout ce qui a été fait pour te condamner, enfant de Dieu. Je brise au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, brisé les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'occultisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres de la sorcellerie. Tu ne mourras pas, je ne mourrai pas, on ne mourra pas, au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour enterrer ma vie, pour enterrer mon étoile, pour enterrer mes chances, pour enterrer ma vie, pour enterrer ma voix. Oui, Seigneur, si ma voix a été capturée, libère. Si la voix de ma femme a été capturée, libère. Seigneur, libère son âme. Je libère la voix de ma femme. J'ai libéré la voix de ma femme. J'ai libéré ma propre voix. J'ai libéré ma voix. Oui, Seigneur, libère nos voix. Seigneur, libère la voix de tout artiste dont la voix a été tuée. Seigneur, ressuscite ma voix. Seigneur, ressuscite mes yeux. Pour que je puisse voir dans le spirituel. Seigneur, ressuscite ma voix. Seigneur, ressuscite. Alléluia. Merci, Seigneur. Waouh. Je ressuscite. Seigneur, ressuscite ma voix. Seigneur, ressuscite mon âme. Seigneur, ressuscite mes destinées. Seigneur, ressuscite mes chances. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ressuscite mes destinées. Seigneur, ressuscite mes chances. Seigneur, ressuscite ma vie. Seigneur, ressuscite chez ma fiamba. Seigneur, ressuscite l'étoile. Seigneur, ressuscite mon étoile. Seigneur, ressuscite au nom de Jésus. Seigneur, ressuscite au nom de Jésus. Seigneur, ressuscite au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a une femme qui dérange beaucoup le programme. J'ai juste envie de la bloquer et puis nous, on va prier. Que pensez-vous que je dois faire de Georgette Yari? Elle distrait le programme et j'ai juste envie de la bloquer. Et puis, on va continuer à prier. Parce que ici, on ne crie pas quand on prie. Nous sommes en train de faire un traitement des problèmes très important. Ça fait 7 heures de temps qu'on est là. Quand j'inclus le temps de préparation, ça fait 8 heures. Et l'onction de Dieu veut que les enfants de Dieu nettoient leur vie. Mais toi, tu es distrait. Et tu es en train de distraire le programme. Donc, je vais tout simplement la bloquer pour qu'on puisse se concentrer. Parce que ici à Océan des Grâces, on n'aime pas la distraction. On n'aime pas ça. On n'aime pas les jeux d'enfants des collèges, là, les chrétiens d'école des dimanches. Là. Je vais la bloquer. Parce que les gens comme ça, ils n'ont pas oreille pour écouter. Laissez-moi la bloquer quelque part là-bas. Ici, c'est la tolérance zéro pour les distractions.
tolérance zéro. Beaucoup de gens doivent revenir à la vie. Beaucoup d'hommes doivent être libérés de l'ombre de l'enfer. Tu vas détruire les liens de l'ombre de la mort. Tu vas détruire tout ce qui te retient depuis le séjour des morts. Or, bien aimé, il y a tellement de puissance. Vous savez, la puissance de Dieu est telle que tu vas détruire les liens de la mort. Tous les liens de la mort qui t'ont environné, tu vas les détruire. Frère, beaucoup de gens sont environnés par les liens de la mort. Regardez ce que David dit. Je vous ai déjà dit que David a fait l'expérience de la mort spirituelle. Est-ce que vous saviez que David était emprisonné spirituellement dans la vallée de l'ombre de la mort? Amen. David était emprisonné dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il ne l'a pas seulement dit que dans un psaume, dans beaucoup de psaumes, David a dit qu'il était environné par les liens de la mort. Amen. Vous allez partir dans le livre de psaume 23. Il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est le psaume 23. Mais vous allez remarquer que comme j'ai dit, que David n'a pas déclaré seulement ça dans un psaume. Allez-y dans le psaume 116. Il dit quoi? Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, mais j'invoquais le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. Amen. 2 Samuel 22, verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Frère, c'est pour cela, cette prière que je suis en train de faire a délivré des centaines de vies programmées à être tuées cette année. Et le Seigneur est en train d'utiliser l'océan des grâces pour les délivrer. Beaucoup d'entre vous, vous étiez programmés à être tués cette année. Bien aimé, ce que je vous dis là. Donc, le problème des chrétiens, c'est que beaucoup sont sous les liens de la mort. Bien aimé, depuis qu'on a commencé à faire le programme dans le règne des esprits, les attaques se multiplient. J'ai eu des attaques terribles. Et moi, vous savez, j'aime ce qu'on appelle la rigueur. J'ai été formé comme ça par mes professeurs de sport. Là où il n'y a pas de rigueur, il n'y a que du désordre. Il n'y a que des désordres. Dans les groupes de prière où il n'y a pas de rigueur, il n'y a que le désordre. N'importe quelle fille spirituelle s'élève et raconte sa vie. Chacun se croit tout permis. Et quand tu parles à leur orgueil, soit on est un père spirituel ou on n'est pas un père spirituel. Je vous dis la vérité. Chacun s'élève avec ses esprits de famille
Et il veut venir imposer aux gens son caractère. Chacun s'élève avec ses démons des eaux et ne veut pas se soumettre à la volonté. Chacun s'élève avec ses esprits d'hôtel et il croit que c'est lui qui peut diriger le groupe mieux que tout le monde. Excusez-moi du terme, ça ne marche pas comme ça chez moi. Ça ne marche pas comme ça chez moi. Moi, à Océan des Grâces, notre règle, c'est la loi du premier. Quand ça n'allait pas, quand personne ne voulait s'engager, même si tu es le plus illettré du monde, le plus illettré, tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas dire « ah », tu dis « elle » au lieu de « il », tu dis « il » au lieu de « elle ». Malgré ça, tu as eu la bonne volonté. Pendant que personne ne voulait s'engager, tu étais la première personne qui s'est engagée. Ton français, là, où tu mets « il » au lieu de « elle », où tu mets, tu conjugues même le féminin au masculin, là, c'est toi, on va apprendre. C'est tout. Même si après, les universitaires, les académiciennes, même si après les académiciennes arrivent là, excusez-moi du thème, on n'a pas besoin d'académiciennes, on a juste besoin des gens qui ont de la bonne volonté. Donc vos français là, vos gros français là, nous on n'a pas le temps pour ça. Il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a des gens qui se croient plus intelligents que tout le monde. Les académiciennes, c'est vous qui savez parler français. Vous croyez que Dieu a besoin de quelqu'un qui parle bon français? Pardonnez, hein? Ah. Donc, si vous voulez, allez-y critiquer les gens dans leur dos. Moi, et l'eau, si je ne mange pas le pain de la trahison. Le jour que j'enlève quelqu'un de quelque part, c'est que Dieu m'a dit de l'enlever. Mais avant de t'enlever, je te préviens d'abord. Si tu ne changes pas, tant pis pour toi. Dans tous les cas, il y a beaucoup de pasteurs. Tu peux aller là-bas où il y a tes problèmes, on s'en fout de ça. Soyons sûrs de ce qu'on fait. Les académiciennes, c'est vous qui comprenez français. Mais depuis que vous êtes en train de prier, vous ne savez pas comment demander à Dieu de vous ouvrir les portes. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous devez être sûr de ce que vous voulez. Vous devez assumer. Ayez le courage de dire la vérité. N'ayez pas peur. Beaucoup de gens doivent récupérer leur vie. Beaucoup de femmes sont environnés par les liens de la mort. Regardez, le peu de prières qu'on fait déjà de quelques heures, regardez comment Dieu se manifeste. Regardez comment l'Esprit de Dieu entend vous. Respirez profondément seulement, vous allez sentir que les choses vous ont libéré. Bien aimé, une personne qui a la bonne volonté vaut mieux plus que des gens qui ont de gros diplômes et qui parlent un français limpide, mais qui sont là seulement pour semer le désordre. Les fauteurs de troubles, là, faut leur dire la vérité. Moi, je préfère une personne qui a une bonne volonté, qui a des défauts qu'on peut corriger pour l'aider à grandir, plutôt que des gens qui sont là, là, mesdames les plus intelligentes, les femmes qui parlent gros français. Vos gros français, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Sans qu'on allait prendre des diplômés pour mettre dans nos groupes de prière. Méfiez-vous des académiciennes. Les hommes dans un groupe de prière, ils sont sages, on dirait une aiguille. Droit comme ça. Parfois, même, ils ne parlent même pas. Mais les femmes, là, leur bouche, là. Les académiciennes. Tu vas détruire les liens de la mort. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi des liens de la mort.
La grâce est versée par terre. Je suis trop rempli d'onction aujourd'hui là. C'est ça l'affaire. Tu vas détruire les liens de la mort. Détruisez les liens de la mort. Brisez les liens de ces jours des morts. Sortez de votre captivité. Que le Seigneur soit glorifié dans la vie de chaque personne. Que les mamans qui n'enfantaient pas enfantent. Que les mamans qui attendaient des enfants les reçoivent facilement. Qu'il y ait une telle facilité que le médecin va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, le bébé est déjà là. Il dit, ah bon? Mais j'étais en train de mettre mes gants. I was putting my gloves. What happened? The baby is already there. Hey. les bébés miracles. À toutes les femmes qui ont peur de tomber enceinte, je vous envoie l'esprit de grossesse au nom de Jésus. Je vais devenir grand-papa. Recevez au nom de Jésus. Vous n'avez pas dit que vous cherchez garçon, mais vous fuyez enfantement. On va prier, il ne faut pas gâter le direct. Alléluia. On va briser les liens de sépulcres. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Nous brisons les liens de la mort dans le nom de Jésus. Amen. Nous brisons les liens de la mort. Tous les liens de la mort autour de notre vie soient brisés. Alléluia. J'ai brisé, j'ai détruit les liens de la mort, les liens de la mort, tous les liens de la mort dans ma vie, dans la vie de ma femme, mes enfants, d'Océan Négra. Nous brisons les liens de la mort. Alléluia. Que les liens de ce jour des morts soient brisés. Je brise et je détruis tout ce qui est lien de la mort, les liens, les chaînes de la mort. Je les brise au nom de Jésus. Nous brisons tous les liens de la mort, les liens, les chaînes de la mort. Nous les détruisons. Que tout ce qui est lien de la mort soit brisé au nom puissant de Jésus. Je brise tous les liens de la mort qui avaient environné ma vie. Tous les liens de ce jour des morts, je les détruis. Je détruis les liens de la mort. Je détruis les chaînes de la mort. Les liens de la mort spirituelle. Oh oui, Seigneur. Que tous les liens de la mort autour de Christelle, tous les liens de la mort autour de toutes les futures mamans soient rompus au nom de Jésus. Je détruis les liens du séjour des morts. Tous les liens du séjour des morts. Tous les liens du séjour des morts. Oh oui, Seigneur, nous détruisons les morts. Les morts, les morts, les morts qui ont été programmés, même contre les femmes enceintes à travers le monde. La mort, la mort, la mort durant les accouchements, la mort durant les chirurgies, la mort durant les visites à l'hôpital, la mort par accident, la mort par AVC, la mort par crise cardiaque. Tous les liens de la mort sont brisés. Je détruis les liens de la mort. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. La désolation. J'ai brisé, j'ai détruit la désolation. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit la désolation. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit toute désolation dans notre vie au nom de Jésus. J'ai détruit les liens de séjour des morts. Tous les programmes des morts qui viennent de ma fondation soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les liens de séjour des morts soient brisés. Les liens de séjour des morts soient brisés. J'ai détruit tous les liens. Les séjours des morts, les liens des séjours des morts, les liens des séjours des morts, les liens du sépulcre, tous les liens des cimetières. Je brise le pouvoir de l'esprit des cimetières. Je détruis le pouvoir de l'esprit des cimetières. Je détruis le pouvoir de l'esprit des cimetières. Je détruis le pouvoir des esprits des cimetières. Envoyé contre Ablan Amisha. Envoyé contre nos enfants. Envoyé contre mes enfants. Envoyé contre les enfants du monde entier. Je brise et je détruis. Les liens du séjour des morts, les liens du séjour des morts, les liens du séjour des morts, les liens du sépulcre, les liens de la mort. Envoyez contre vos enfantements, envoyez contre vos fécondités, envoyez contre nos finances. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Les liens du séjour des morts, les liens du divorce, les liens de séparation, les liens de la mort, les liens et le filet. Que le filet de la mort soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de la mort. J'ai détruit les œuvres de la mort. J'ai détruit les œuvres de la mort. J'ai détruit les difficultés.
Au nom de Jésus, je prie ces chanules, tout ce qu'ils ont projeté dans le futur, les accidents, les malheurs, les dangers spirituels, je prie ces chanules détruits, je prie ces chanules détruits, je prie ces chanules détruits, les liens des séjours des morts, les liens de la tentation, les liens de la manipulation, les liens de la séduction, je prie ces chanules détruits, je prie ces chanules détruits, les pouvoirs des pouvoirs que les sorciers envoient, les pouvoirs que la sirène des eaux a conférés à ses agents, je prie ce pouvoir de la séduction. Le pouvoir de la séduction, les poudres de séduction, les incantations de séduction, les rituels de séduction, les entraînements de séduction, les yeux de séduction, les pouvoirs de séduction, venant des sirènes des eaux, venant du monde marin, je prie ces jets d'être. Je prie, je détruis. Je prie, je détruis. Tous les pièges, je prie, je détruis. Toutes les nourritures piégées, les nourritures piégées, les nourritures piégées par les esprits des eaux, les nourritures piégées par les sirènes des eaux, les nourritures piégées par le monde des ténèbres, les choses piégées, les sacrifices piégés dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Je prie, je détruis tout ce qui a été fait pour attacher mon âme dans les ténèbres, pour attacher mon âme dans les eaux, pour attacher ma femme, mes enfants et moi, pour attacher mon ministère, pour attacher l'océan des grâces, pour attacher tous les membres d'océan des grâces. Je prie, je détruis. Je prie, je détruis. Je prie, je détruis toutes les cordes avec lesquelles l'ennemi m'avait lié. Au nom de Jésus, je brise les liens de ce jour des morts. Je brise les liens de ce jour des morts. Je détruis le pouvoir des liens du sépulcre, les liens du sépulcre, les liens du sépulcre, les liens du cimetière, les liens du tombeau. Je brise, je détruis, je brise, je détruis les liens de la mort, 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 les liens de la mort. Je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis les liens de la captivité. Au nom de Jésus, je sors mon esprit, je sors l'esprit des enfants de ma mère, des enfants de mon père, du séjour des morts, 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 du séjour des morts. Je me sors du séjour des morts. Je sors mes finances, je sors mes affaires, je sors mon travail, je sors mon ministère, du séjour des morts, du séjour des morts, du séjour des morts. Je brise et je détruis les œuvres de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, l'ombre de la mort. Je brise et je détruis tout programme de mort venant de la famille, venant de ma famille, venant de ma fondation, venant de mon passé, venant de mon passé. Je prie, je détruis le programme de mort contre ma femme, mes enfants, contre ma femme, mes enfants, contre l'océan des grâces, contre tous nos membres, contre nos frères et sœurs, contre nos tantes, au nom de Jésus. Je prie, je détruis les liens du séjour des morts, les liens du tombeau. Je brise, je détruis l'emprise du tombeau, l'emprise du tombeau. Je sors des séjours des morts, je sors de l'ombre de l'enfer. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors au nom de Jésus. 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 Que tous les programmes des morts, tous les complots de fin d'année soient brisés. Je brise, je détruis les réunions secrètes de la sorcellerie familiale. Les réunions secrètes. Les réunions secrètes. Les réunions secrètes de la sorcellerie familiale. Les réunions secrètes de la sorcellerie familiale. Les réunions secrètes de la sorcellerie familiale. Les réunions secrètes de la sorcellerie amicale. Les réunions secrètes de la sorcellerie du village. Les réunions secrètes de la sorcellerie de ma fondation. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise les délais des morts. Je brise les circonstances des morts. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule les délais et les circonstances qui ont été prévus pour ma mort. Les délais et les circonstances. 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 Je détruis les délais et les circonstances des morts. Que tous les délais et les circonstances des morts soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise. Je brise. Je prie, je détruis les délais et les circonstances qu'ils ont prévues pour ma mort, les âmes forgées pour ma mort, les âmes forgées contre moi, les âmes des maladies, les âmes des divisions, les âmes des trucs. Je prie, je détruis, je prie, je détruis, je prie, je détruis tout âme préparée par la sorcellerie pour me déstabiliser émotionnellement, pour me déstabiliser, pour me déstabiliser, pour me déstabiliser. Au nom puissant de Jésus, je brise et je détruis tout ce que le monde des ténèbres veut faire en utilisant des gens pour m'accuser sur Internet afin de me déstabiliser, afin de me désorienter, afin de me désorienter. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule les liens de ce jour des morts, les pièges de la mort, les œuvres de la mort. Je brise et je détruis les œuvres de la mort. Je brise et je détruis les dates de la mort, les fétiches et leurs délais. Je détruis les fétiches et leurs délais. Je détruis les fétiches et leurs délais. Les fétiches et leurs délais. Les fétiches et leurs délais. Les fétiches et leurs délais.
fétiche et la délai, le fétiche et la délai, le fétiche et la délai. Je suis pressé, j'ai des trucs. Le fétiche de la sorcellerie, le fétiche de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie familiale. Tous les fétiches qui ont été utilisés contre ma femme, mes enfants et moi. Tous les fétiches utilisés contre mon mariage. Tous les fétiches utilisés contre ma vie au Canada. Je suis pressé, j'ai des trucs. Je suis pressé, j'ai des trucs. Tous les fétiches qu'ils ont utilisés pour me fermer le ciel, pour me fermer les portes, pour me fermer la vie, pour me fermer le ciel, pour me fermer les yeux. Je suis pressé, j'ai des trucs. Le pouvoir des fétiches, le pouvoir. Le pouvoir des fétiches. J'ai détruit le pouvoir. J'ai détruit le pouvoir des œuvres des ténèbres. Alléluia, merci Seigneur. J'ai détruit tout ce qui a été fait pour nous enterrer. Si on a été enterré, je brise le lien du sépulcre et je sors du cimetière. Je sors de la tombe de mes ancêtres, je sors mes bénédictions de la tombe de mes ancêtres, je sors mes chances de la tombe de mes ancêtres, je sors mes affaires, je sors mes livres, je sors mes affaires qui sont emprisonnés dans le séjour des morts, Toutes mes bénédictions, emprisonnées et enfermées, attachées et liées dans le séjour des morts, soyez détachés, soyez déliés, au nom puissant de Jésus, je sors de la captivité, je sors mon âme, je sors mon esprit, je sors ma vie, mon étoile, mes chances, mes grâces, mes faveurs, mes biens, mes années de vie. Je sors mon cordon ombilical, mon placenta, mon cordon d'argent de la main de ceux qui contrôlaient. Je sors au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour combattre toute entité démoniaque qui a mes affaires, toute sorcière, toute reine de sorcellerie familiale, toute reine, soit découpée par l'épée, que la reine, que le roi, que les chefs de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie du village qui combattait mes destinées, qui combattait mes étoiles, soit découpée au nom de Jésus. Que le roi, que la reine, que les entités, que les chefs, que les pouvoirs de la terre qui me combattaient, soient découpés. J'envoie l'épée de l'Éternel pour combattre jusqu'à la destruction le serpent, les dragons, les génies, les démons qui persécutent ma vie au nom de Jésus. Épée de l'Éternel, combat, hache de l'Éternel, combat, tout entier démoniaque qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ma vie, tous les démons, tous les génies, tous les sorciers, toutes les puissances qui s'opposaient à Dieu dans ma vie, qui s'opposaient à mes destinées, soyez découpés, au nom puissant de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour frapper et détruire les voleurs de voitures, les voleurs de bénédictions, les voleurs de richesses, les voleurs de finances, les voleurs au nom de Jésus. Oui Seigneur, que tout ce qui m'a été volé ces 30 dernières années soit restitué, tout ce qui m'a été volé ces 30 derniers jours soit libéré, soit débloqué, au nom puissant de Jésus. Toute personne qui m'a promis de l'aide et qui rencontre les blocages, je dégage ton chemin, au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que les portes de toute personne qui m'a promis de l'aide et qui rencontre des difficultés s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent, au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout ce qui avait été fait pour m'attacher, pour me lier, pour me vendre, pour me bloquer à l'entrée de mon village, que toutes mes bénédictions qui sont restées reviennent, que toutes mes bénédictions, que toutes mes chances, que toutes mes faveurs, que toutes mes grâces, que toutes les bonnes choses que l'ennemi nous avait volées soient relâchées et reviennent. Soit relâché et revienne. Que toutes mes bénédictions, que toutes mes faveurs, que toutes mes grâces, que toutes mes bénédictions que j'avais perdu au village, soit libérées et reviennent. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne aux chaînes de la mort de relâcher mes bénédictions, de relâcher mes chances, de relâcher mon étoile, de relâcher au nom de Jésus, de relâcher au
nom de Jésus, j'ordonne au lien des séjours des morts, au lien de la mort, au lien des cimetières, au lien des tombeaux, de relâcher mes chances et mes destinées, de relâcher mes destinées, de relâcher mes destinées, de relâcher mes destinées, de relâcher mon travail, de relâcher mon destinée, de relâcher mon travail, de relâcher mon destinée, de relâcher mes destinées, de relâcher mes destinées, au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour combattre et détruire toute force des eaux qui combat mes chances, qui combat ma vie, qui combat mon mariage, qui combat mes chances, qui combat mon étoile, toute puissance des eaux, toute sirène des eaux, toute reine des eaux, toute reine des côtes qui me combat, 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 qui me combat. J'envoie l'épée de l'Éternel, j'envoie la hache de l'Éternel pour détruire toutes les puissances du monde des ténèbres. S'envola à cause de moi, toutes les âmes forgées contre moi, soyez brisées. Alléluia. Soyez brisées, 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 soyez brisées au nom de Jésus. Je brise des accidents, je brise des accidents d'avion, je brise des malheurs, je brise des accidents de train, je brise des accidents. Tous les accidents dans lesquels j'ai été programmé, soit brisé, annulé, 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 au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, j'invoque l'épée de l'Éternel pour combattre et détruire le serpent. Pour combattre et détruire le serpent, que tout serpent qui combat ma vie soit découpé. Tout serpent, que tout serpent qui freine ma vie soit découpé. Que tout serpent qui combat nos vies soit découpé. Que le serpent 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 soit découpé au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour frapper tout serpent envoyé en mission contre moi. Tout animal, tout serpent, tout lion, tout dragon, tout animal mythique et mystique, tout animal diabolique envoyé en mission contre moi et logique ici, contre ma maison, contre mon foyer, contre mes représentants, mes responsables, mes collaborateurs et mes collaboratrices, soit broyé au nom de Jésus. Je broie maintenant, je brise maintenant par la hache de Dieu tout serpent, tout dragon, tout homme fort à la base de mes malheurs, à la base de ma souffrance, à la base de mes retards, soit broyé au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres assis sur ma vie depuis le règne des esprits. Oh oui, Seigneur, que tout agent des ténèbres assis sur ma vie, assis sur mon mariage, assis sur mon ménage, assis sur mes affaires, assis sur nos finances, depuis le règne des esprits, soit carbonisé au nom de Jésus. J'envoie l'épée, j'envoie la foudre, 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 j'envoie l'épée, au nom puissant de Jésus, que tout agent des ténèbres qui est assis sur ma vie, assis sur mon mariage, assis sur mes chances, assis sur mes faveurs et qui refuse de la relâcher. Toi, découpé, soit découpé, soit découpé au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la hache de l'Éternel se réveille et découpe toute entité démoniaque qui vient s'accoupler avec les enfants de Dieu. Tout démon qui s'accouple avec nous, qui s'accouple avec les enfants de Dieu en rêve, au bord de leur percée, au bord de leur percée. Tout sorcier qui se déguise pour venir s'accoupler, soyez découpé par l'épée de Dieu, soyez transvercé par les flèches de Dieu, soyez découpé, soyez découpé, soyez découpé, soyez découpé au nom puissant de Jésus. J'ordonne la restitution de toutes nos bénédictions, la restitution de mes chances, de mon portefeuille, de mes finances, de mes biens, de ma vie, au nom puissant de Jésus. J'entends, 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 j'entends la restitution, 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 j'entends, 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 j'entends le déblocage de nos affaires, de nos projets, de nos chances, de nos étoiles, de nos bénédictions. Oh oui, Seigneur, que toute chose appartenant à Kwasi qui a été bloquée soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée. Que toute chose appartenant à Dorcas qui a été bloquée soit débloquée. Que toute chose qui appartenant à Maryland qui a été bloquée soit débloquée. Que toute chose appartenant à Ablan Amisha qui a été bloquée soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée. Que toute chose appartenant à Edouard mais qui a été bloquée soit débloquée. Que toute chose appartenant à Eloge Ikissi mais qui a été bloqué, soit débloqué au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour découper toute entité démoniaque assise sur ma vie. Toutes les reines des sorcelleries assises sur ma vie, assises, les reines, les rois, les faux possesseurs, les faux détenteurs. J'envoie l'épée de l'Éternel pour combattre les faux détenteurs de nos étoiles, les faux détenteurs de nos destinées, les faux détenteurs, les faux détenteurs, les faux détenteurs, les faux détenteurs de nos maisons, de nos biens, dans le royaume des esprits, dans le règne des esprits. Soyez combattus. Soyez combattus.
créature. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel et non ce qui a été volé par les parents pour lui donner. J'exige la restitution. J'exige la restitution de nos biens, de nos vies, de nos chances, de nos miracles, de nos bénédictions. Au nom de Jésus, que l'homme fort soit découpé, que la femme forte assise sur ma maison soit découpée, que mes bénédictions soient libérées, que la femme forte soit découpée, que le pouvoir des cimetières soit découpé, les liens soient brisés. Je brise les liens. Que tout serpent ayant avalé mes biens les vomisse, que le crocodile meure, que le dragon meure, que les pouvoirs mystiques qui ont avalé mes bénédictions soient découpés, que le serpent meure, que le dragon meure, tout dragon qui dirige le monde entier soit découpé, soit frappé, soit découpé, que le dragon tombe, que le grand dragon tombe, que le grand dragon tombe, que le dragon tombe, que le dragon tombe, que le dragon tombe, le dragon derrière ma vie, le dragon qui poursuit ma vie, le dragon qui suce ma vie, le dragon qui suce mon potentiel soit découpé, que le dragon tombe, que le dragon meure, que le dragon tombe, que le dragon meure, que le dragon tombe, que le dragon meure, que le dragon tombe, que le dragon tombe, au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour découper tout dragon assis sur ma vie. Tout dragon, tout animal mythique et mystique, tout animal diabolique, tout animal satanique, soit découpé au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel pour découper la sirène, pour découper les génies, pour découper les pouvoirs, pour découper les entités démoniaques qui bloquent nos carrières, qui bloquent nos projets, qui bloquent nos destinées, qui bloquent nos chances, qui bloquent nos vies. Soit découpé. Que les entités démoniaques qui nous font la guerre soient découpées. J'envoie l'épée de l'Éternel dans le camp de nos ennemis. L'épée. Que tous ceux qui veulent nous tuer durant notre sommeil soient frappés et découpés. Tous les agents des ténèbres voulant nous tuer durant le sommeil, voulant nous assassiner, voulant nous supprimer, voulant nous détruire, soyez broyés, soyez découpés, soyez frappés, soyez pulvérisés, soyez dispersés, soyez broyés au nom puissant de Jésus. Que tout agent des ténèbres ayant avalé ma vie, ayant possédé ma place, doit libérer au nom de Jésus. Libère. J'ordonne aux avaleurs, j'ordonne aux détenteurs, j'ordonne aux faux détenteurs, aux voleurs et aux voleuses, qui ont nos vêtements, qui ont nos faveurs, qui ont nos manteaux spirituels, de libérer. J'exige la restitution, j'exige la libération de nos chances, de nos faveurs, de nos étoiles, au nom puissant de Jésus. Libérez mes affaires, libérez ma vie, libérez mon âme, libérez mes enfants, libérez l'âme de mes enfants, libérez l'esprit de mon mariage, libérez l'esprit de mon succès. Libérez. J'envoie l'épée pour découper tout agent des ténèbres qui a pris ma vie pour s'asseoir dessus. Tous ceux qui lui ont donné pour s'asseoir, soyez découpés. Tout agent des ténèbres, assis sur ma maison, assis sur mes projets, assis sur mes affaires, assis sur mes fondations, y compris ses complices, soyez découpés. Au nom de Jésus, que mes ennemis ne marchent pas entre le ciel et la terre, qu'ils ne marchent pas sur la terre et la terre, qu'ils ne boivent pas d'eau, qu'ils ne respirent pas. J'envoie l'épée pour les combattre, j'envoie la foudre pour les combattre, j'envoie le tonnerre pour les combattre, j'envoie l'épée. Pour les frapper, pour les combattre, pour les terroriser, pour les transpercer au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort de la maison de mon père assis sur ma vie soit dégagé. Que la femme forte de la maison de ma mère, toutes les puissances assises sur ma vie, soyez décapités, soyez broyés, soyez dispersés, soyez ravagés, soyez foudroyés, soyez détruits au nom puissant de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie, du cimetière, que tous les liens du sépulcre soit brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas tarder à finir. Si l'onction me laisse finir. On a passé trop de temps avec des petites prières qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut de nous. Des petites prières à grave affaire
Chaque enfant de Dieu doit assumer sa place, assurer sa place. C'est pas normal que l'ennemi te bloque depuis des années. Et parfois, c'est ainsi parce que personne ne les a inquiétés. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, dépouillés, pillés, mais personne qui dise restitue. Alléluia. Et moi, le Seigneur me montre que je vais avoir une maison et m'ouvre les yeux. Je vois quelqu'un qui prend la maison et qui donne à quelqu'un et la personne s'assoit dessus. Donc, dans le règne des esprits, ils vont venir dire, ok, tel là, on va la marier. Tel là, on dirait la telle étoile. Ils prennent les grâces de la famille et ils prennent, ils donnent à quelqu'un qui va prendre et il s'asseye dessus. C'est comme cela, ils ont interrompu vos ministères, interrompu vos mariages, interrompu vos carrières musicaux, interrompu vos salons de coiffure, interrompu tout. Parce que dans le royaume des esprits, dans le règne des esprits, une fois que quelqu'un prend ta vie pour s'asseoir dessus, tu ne vas jamais évoluer. Quand quelqu'un écrit ton nom sur un papier et puis il donne à un sorcier qui a des pouvoirs mystiques, il s'asseye dessus comme ça. Bien-aimé, de toute façon, ça est en bas là. Ça ne va pas aller quelque part. Et, oh. Mais si tu commences à invoquer l'épée, le tonnerre, les grêles de feu, même s'ils ont mis ça pour preuve suppositoire, ça va sortir. J'ai dit, oh, ça va sortir. Est-ce qu'il y a palabre dans ça? Eux-mêmes, ils vont sortir. Tu vas voir, ils vont faire des rêves. Dans le rêve, là, ils te donnent un bébé, ils ont peur de prendre le bébé. Je ne parle pas des faux bébés en rêve, là. Parce qu'il y a des grands-pères, là, qui se transforment en bébé pour uriner sur vous. Ils se transforment en bébé pour faire pipi sur vous. Et après, vous allez dire, oh, papa éloge. Moi, j'avais un bébé en rêve, là. Bébé, là, il pleurait et puis il a fait pipi sur moi. Les grands-pères sorciers, là, qui se transforment en bébé pour venir pisser, faire pipi sur les gens, uriner sur les gens. Et les chrétiens, parfois, ils ne comprennent pas qu'il y a bébé, puis il y a bébé. Il y a vrai bébé en rêve. Voilà, vrai bébé, mais il y a bébé sorcier aussi en rêve. Alors, comme on est en train d'aller vers la fin, et que tu n'aimerais pas que les bébés fassent pipi sur toi en rêve, tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Tu vas dire à Dieu que tu détruis les œuvres de l'ennemi. Oh, bien aimé, la prière, c'est trop intéressant. Je ne suis pas maître du temps, c'est Dieu. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont programmé contre ma vie soit totalement détruit. Je brise tous les pièges au nom de Jésus. Si dans le règne des esprits, quelqu'un avait pris ma vie pour aller s'asseoir dessus, Seigneur, j'envoie l'épée pour détruire ses œuvres au nom de Jésus. Si dans le règne des esprits, quelqu'un a pris mon nom pour aller m'attacher, je détruis tout ce qui a été fait au nom de Jésus. Si dans le règne des esprits, quelqu'un a pris mes papiers pour aller les attacher, je détruis tout ce qui a été fait contre moi au nom de Jésus. Si dans le règne des esprits, quelqu'un m'a pris pour aller me vendre, je détruis tout ce qui a été fait pour me vendre au nom de Jésus. Si dans le règne des esprits, quelqu'un a pris mon mariage pour aller enterrer, je déterre mon mariage au nom de Jésus. Je libère notre mariage de l'emprise des liens de la mort. Je libère notre mariage de l'emprise des liens du sépulcre. Oh oui, Seigneur, j'ordonne à mon mariage de sortir de l'emprise des liens du sépulcre. J'ordonne à mon mariage de sortir de l'emprise des liens du sépulcre. J'ordonne à mon mariage de sortir de l'emprise des liens du sépulcre. J'ordonne à mon mariage de sortir de l'emprise des liens du sépulcre. Mon mariage sort de l'emprise des liens du sépulcre.
Je donne à mon mariage, je donne à mon mariage, je donne à mes enfants, je donne à l'étoile de mes enfants de sortir de l'emprise des liens du sépulcre. Je donne à nos chances de sortir de l'emprise des liens du sépulcre, des liens du tombeau, des liens de la mort. Je sors du séjour des morts. J'envoie l'épée dans le séjour des morts pour briser mes chaînes, pour briser mes cordes, pour briser les liens. J'envoie l'épée au village. J'envoie l'épée dans les ténèbres. En tout lieu où mes biens, ma vie, mon âme, mon esprit, mes enfants sont enfermés. J'envoie l'épée. J'envoie l'épée, j'envoie l'épée, j'envoie l'épée de l'Éternel pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Que l'épée brise, que l'épée frappe, que l'épée brise, que le tonnerre gronde au nom de Jésus. J'envoie l'épée de l'Éternel sous tes yeux comme au ciel. Que tout agent des ténèbres qui a mes vêtements soit découpé au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres qui a mes vêtements, qui a mes yeux, qui a mon onction, qui a mes pouvoirs, qui a mes puissances, qui a mes grâces soit broyé au nom de Jésus. J'envoie l'épée dans les ténèbres, j'envoie l'épée. J'envoie l'épée, j'envoie la foudre, j'envoie le tonnerre, j'envoie. Que tout agent des ténèbres qui se sert de mes yeux, de mon onction, de mes chances, dans le règne des esprits soit découpé au nom de Jésus. Le voleur confessera son péché, il restituera son petit régime à l'acquis. Au nom de Jésus, j'exige la restitution de mes biens, j'exige la restitution de mes chances, j'exige la restitution de mes destinées. Au nom de Jésus, que tout agent des ténèbres qui est là, qui me combat, soit broyé, soit poursuivi, soit chassé, soit foudroyé, que l'épée de l'Éternel frappe. L'épée de l'Éternel frappe. Que l'épée frappe. Que l'épée frappe. Tout agent des ténèbres qui a pris notre mariage pour aller s'asseoir dessus. Tout agent des ténèbres qui a pris notre mariage, qui l'a avalé. J'envoie l'épée de l'Éternel pour découper les avaleurs, pour découper les détourneurs, pour découper les voleurs, pour détruire les voleurs, pour découper les chaînes, pour briser les liens, pour briser les cordes, pour découper les chaînes, pour découper les liens, pour briser les cordes au nom de Jésus. J'envoie le feu pour consumer tout ce qui a été fait pour envoler le pays, pour aveugler les gens de ma maison, pour aveugler ma femme, mes enfants et moi, pour aveugler nos ministères, pour aveugler nos vies au nom de Jésus. Je brise et je détruis les armes qui ont été forgées contre nous ces derniers temps. Toutes les armes de la mort, les armes de l'échec, les armes du retard, les armes de l'envoûtement. Je brise que toute puissance du monde des ténèbres qui a été envoyée pour me tuer dans mon sommeil soit découpée. Soit découpé, que tout agent des ténèbres qui travaille en même temps que j'ai pris soit ravagé par la foudre. J'envoie la colère de Dieu dans le camp des marabouts qui viennent faire des publicités dans nos vidéos. J'envoie la foudre et la colère. Ils sont coupables des provocations. Je demande au tonnerre de les ravager. Je demande la foudre de les ravager au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je brise et je détruis les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage. Les œuvres du charlatanisme, les œuvres de l'occultisme, les œuvres de la sorcellerie. Je brise et je détruis. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit avec des excréments humains, avec des rituels humains, avec des pratiques diaboliques, je les brise au nom de Jésus. Je brise. Tout mal qui a été fait contre moi, tout mal qui a été dit contre moi, depuis la maison de ma mère, depuis le village de ma mère, depuis le village de mon père, je brise au nom de Jésus. Je brise toute alliance satanique. Je brise. Tout ce que l'ennemi a dit fait, tout ce que l'ennemi a provoqué, tout ce que l'ennemi a programmé, je brise et j'annule les chaînes de la mort, les chaînes de la mort, les chaînes de la mort, les chaînes de la mort autour de ma vie, autour de mon ménage, autour de mon ministère, autour de mes enfants. Je brise les chaînes de la mort, les chaînes de la mort, les chaînes de servitude, les chaînes de l'échec. Je brise au nom de Jésus. Je brise et j'annule. Que tout ce que l'ennemi a fait soit brisé. Je brise ceux de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie, tout fétiche qu'ils ont utilisé pour me bloquer depuis le règne des esprits soit brisé. Je détruis le pouvoir de leur fétiche, le pouvoir de leur malédiction. Je brise. Tout ce qui a été fait pour me bloquer, tout ce qui a été fait pour me vendre soit brisé au nom de Jésus. Je détruis les rituels de vente, je détruis les pratiques de vente, je brise et je détruis tout ce qui a été fait contre moi depuis la maison de mon père et de ma mère pour me vendre au nom de Jésus. Je brise et j'annule. Tout ce qui a été fait contre moi, tout ce qui a été dit contre moi, tout ce qui a été pensé contre moi, je brise et j'annule. Les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'occultisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres du charlatanisme, je brise et j'annule. J'ai brisé, au nom de Jésus. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. J'ai brisé au nom puissant de Jésus.
Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été fait pour m'attacher dans les ténèbres soit brisé. Tout ce qui a été fait pour changer mon destin soit brisé. Tout ce qui a été fait pour changer mon histoire soit brisé. Tout ce qui a été fait pour changer négativement ma vie soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les œuvres de l'ennemi par la sorcellerie. J'ai détruit au nom de Jésus. Toutes les œuvres de l'ennemi effectuées contre ma vie. Toutes les œuvres de l'ennemi effectuées contre mon ministère. Toutes les œuvres de l'ennemi effectuées contre ma vie. J'ai brisé, j'annule. J'ai brisé, j'annule. J'ai brisé, j'annule. J'ai brisé, j'annule au nom de Jésus. J'ai brisé, 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 brisé. J'ai brisé tous les pièges qui m'ont été tendus. Les pièges pendant mon sommeil. Les pièges au nom de Jésus. J'ordonne au séjour de mon délivrer mes bénédictions. J'ordonne au séjour des morts, délibérer mes bénédictions. J'ordonne au séjour des morts, j'ordonne à l'homme de l'enfer, délibérer tous mes biens enfermés là-bas, sortez, revenez. Sortez, 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 revenez. Tous mes biens, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres du fétichisme. J'ai détruit les œuvres du maraboutage. J'ai détruit les œuvres du charlatanisme. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait dans la sorcellerie pour me bloquer, pour me freiner, pour interrompre mes projets. J'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé les œuvres du diable en vue d'interrompre mon projet. Les œuvres du diable en vue d'interrompre mes biens, mes affaires. Les œuvres du diable en vue d'interrompre les choses. J'ai brisé, j'annule. 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 J'ai brisé, 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 brisé. J'ai brisé, j'annule au nom de Jésus. J'ai brisé, j'annule. 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 J'ai brisé, 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 brisé. Tout ce qui a été programmé, lancé contre ma vie. Tout ce qui a été programmé, lancé. Toute âme fatale envoyée contre moi par la sorcellerie soit brisée. J'ai brisé l'âme fatale des sorciers. 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 J'ai brisé, 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 brisé. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. 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 J'ai brisé tous les pièges, toutes les flèches, toutes les armes. Forgées contre ma femme et sa famille, soit brisée. J'ai brisé, j'ai détruit. 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 J'ai brisé, j'ai détruit les œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les pièges, les envoûtements, les ensorcellements, les rituels, les pratiques occultes. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit les barrières, les choses qu'ils ont faites contre ma vie, qu'ils ont dites contre ma vie. J'ai brisé, 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 brisé. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. 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 J'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé. J'ai brisé au nom de Jésus. J'ai brisé au nom de Jésus. J'ai brisé au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit et fait contre moi soit brisé. Tout ce qui a été dit soit brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, 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 brisé. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. J'ai brisé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été enterré pour me tuer soit brisé. Tout ce qui a été jeté dans l'eau pour me tuer soit brisé. Oh oui, Seigneur, j'ai brisé les complots de fin d'année. Les ruses de fin d'année, les plans de fin d'année, les projets de fin d'année, tout ce que le diable et ses agents sont en train de faire, je les détruis au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit les projets de fin d'année, les ruses de fin d'année, les divorces de fin d'année, les complots de fin d'année, les armes, les balles, les choses envoyées contre moi. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. J'y révoque toutes les décisions qui ont été prises contre moi par le royaume des ténèbres, par le monde des ténèbres, par le règne des esprits. Toutes les décisions négatives prises contre moi dans le règne des esprits soient brisées. J'ai brisé, 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 brisé toutes les mauvaises décisions prises contre moi dans le mystère de l'air, dans le règne des esprits, dans mon village, dans les ténèbres, dans les lieux cachés. Oh oui, je brise au nom de Jésus. J'ai brisé, 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 brisé. Que les chaînes se brisent, que les cordes se brisent, que les liens se brisent, que les choses se brisent, que les liens se brisent, que les menottes spirituelles autour de ma vie se brisent au nom de Jésus. J'ai brisé, j'annule tout ce qui a été dit fait contre moi. J'ai brisé, j'annule. J'ai brisé, j'annule. Et j'enterre les œufs de l'ennemi. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé.
Je brise et j'annule. Tout ce qui a été dit fait qu'on soit annulé. Tout ce qui a été dit fait qu'on soit détruit. Je brise les œuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'annule. Tout ce qu'ils ont dit et fait pour m'emprisonner, pour m'enservir, pour m'attacher dans le lieu des morts, dans le séjour des morts. J'ai brisé, j'annule. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien aimé, les 3 heures du matin. On peut dire que ça fait plus de 8 heures que nous sommes en direct. Je suis tellement béni, vous ne pouvez pas comprendre, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous pour plus tard. Vous savez, il y a tellement de mauvaises choses que l'ennemi programme contre les enfants de Dieu qu'on doit se lever, s'asseoir et se tenir debout pour prier jusqu'à la victoire. Parce que si on ne fait pas ça, on va se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai enseigné. J'ai pris tout mon temps pour vous enseigner. Et ce que je voulais, c'était la croissance des enfants de Dieu et leur délivrance. Peut-être que tu es là, tu me regardes, tu dis, homme de Dieu, la prière est trop intéressante. Ce n'est pas grave. Rendez-vous plus tard. Nous allons continuer dans le règne des esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur nous protège. Rendez-vous plus tard. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, es-tu déjà inscrit sur notre site? Es-tu déjà inscrit sur notre site. Vous savez, notre site regorge de prières incroyables. Il y a tellement de bons programmes de prières sur notre site que si vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que Océan des Grâces n'est pas seulement que un site, mais c'est un module. Et j'espère que ce ministère est une bénédiction pour vous. Nous avons terminé. Nous allons vous laisser aller vous coucher. Mais en espérant se voir plus tard, voilà, plus tard, dans la soirée, que Dieu vous bénisse. Voilà, mon but, c'était vraiment de vous permettre de vous libérer des liens de ces jours des morts. Et je sais que ces prières ont porté du fruit. Même si les chrétiens n'aiment pas rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel. Regardez comment vous vous sentez. Donc le site internet, c'est oceandegrace.com. Je vous invite à aller là-dessus si vous avez envie de nous soutenir. Ça va nous aider à accélérer la chaîne télé. Ça va trop nous aider. Parce que j'ai des défis à relever. Et vous savez, je ne peux pas relever ces défis seul. Merci. Ça fait 2 ans que je me bats. Pendant 2 ans, j'ai été victime d'escroquerie. J'ai été victime de fraude.
J'ai été victime de choses incroyables. Mais heureusement, découragement n'est pas ivoirien. Ça veut dire que l'ivoirien ne se décourage jamais. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, après ce programme, je suis encore. Il est trop tôt le matin, je sais. Mais si vous voulez nous soutenir, vous pouvez tout de même le faire parce qu'il y a plus de plusieurs pays qui nous suivent. Bien-aimés, toujours combattus, vous connaissez la réponse. Jamais vaincu. Toujours combattus. Merci Seigneur pour la vérité que tu nous donnes. Merci pour ces chaussures que tu restes à tes enfants. Merci. Conduis tes enfants tout simplement, toujours combattu, jamais vaincu, jusqu'à la victoire. Mes bien-aimés, je suis très content de ce que le Seigneur nous a inspiré dans le règne des esprits. Nous en avions tellement besoin qu'on ne peut que glorifier le nom du Saint et du Très-Haut. Voilà, bien-aimés, soyez bénis et on se dit rendez-vous à plus tard, sauf si vous voulez appeler pour soutenir, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous plus tard dans la journée, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.